C'est toi en fait le soldat qui est en bas à droite dans l'image, c'est ça? Je voudrais bien résumer hier, mais je crois que la moitié de la session j'étais absente en fait, donc. Ah, je comprends. Mais non. Je connais. Ah si, si. Je reconnais. J'étais à l'ouest. Je me souviens que qu'on a traumatisé un pauvre mec qui passait. Et quand je me suis cachée dans un buisson de ronces. Oui. Le reste, j'étais un peu en automatique, alors... Mais tu vas pas rester... Il est très confortable. Tu vas pas rester dans les... Tu vas pas rester dans les ronces, quand même. Mais si, c'est très confortable. C'était confortable. Regarde. Aïe. Oui, aïe. Bah, tu vois. Il faut sortir. Mais des fois, en fait, j'ai l'impression d'être Avril avec mon perso. Du calme, Joe. C'est un peu ça, oui. En fait, tu es Avril jusqu'à ce que tu te prennes une blessure. Là, tu deviens Joe. Alors non, parce que même Joe, il est un peu plus raisonnable. Non, j'avoue. On n'a pas vu les mêmes BD. Mais oui, c'est vrai que tu es Avril, Silver, et puis Joe, c'est ce coup-là. Et après, il y a William et Jack, bah, c'est Fizzle et Wood. Alors du coup, le résumé, messieurs dames. Eh ben, voilà. On a profité de notre journée à Port-en-Équin pour découvrir la mer. Ah oui, c'est ça. Comprenez, il y a des gens qui n'ont jamais vu la mer. C'est grand, hein, putain. Ouais. Mon perso ne pensait pas que c'était aussi grand. Je me souviens. On a rencontré une bad pony qui vient de Ebonia et Botre. Et Noria. C'était à Titan's Peak, c'était après. Ah pardon. Bon bah vas-y, alors raconte. Et puis j'étais partie. Et bah vas-y. Vous avez sauvé Golden. Pardon. Et ben je le fais. Golden qui est en train de... Il se frotte le front. Mais raconte. Non, c'est les yeux, je me frotte. Du coup, nous avons appris à nager. Après un attentat sur la vie de Silver. Parskoula, qui a essayé de le noyer. Quoi ? De manière lâche ! N'importe quoi ! C'est un attentat honteux. Lâche ! C'est honteux ! De ta faute ! N'importe quoi ! Du coup, après, il y en a qui sont allés acheter des babioles. Si j'avais voulu te tuer, tu serais mort. Voilà, c'est tout. Ensuite, après que certains aient fait leurs emplettes, nous sommes partis en direction de Titan's Peak pour essayer de trouver une petite licorne disparue. Manque de bol et personne n'avait des infos. Personne n'avait des infos, la scène de crime, il n'y avait rien du tout. C'est genre Sherlock Holmes, il est arrivé, il a regardé, il a dit « Non, bah là, c'est pas pour moi » et il est parti. Voilà, c'est mort. J'ai un bug de co. Ah. Voilà. Ah oui. Je vous vois plus bien. Ah oui. Bah, F5 tout le monde. Et bien, en même temps, ensuite, nous avons eu... nous avons fait la connaissance de Redberry Cuteness. Oui, elle est trop chou. Ouais. Qui a été adoptée par le groupe et malheureusement convertie au culte de la loose de la muerte. Malheureusement, comment ça? Désolé, je ne crois qu'en ce que je vois. Et pour l'instant, la loose de la muerte, je l'ai pas vue. Et c'est pour ça que tu mourras et pas nous. C'est ça. Pour regarder les séries télé, c'est les plus cons qui survivent le plus longtemps. Eh oh! Il meurt juste... C'est quoi là? Il meurt juste... Puisque c'est comme ça, regarde, je vais me suicider, je vais te prouver que je suis pas con. Non, j'allais dire que c'était moi qui allais survivre le plus longtemps parce que j'étais le plus con, mais bon. Ouais. Voilà. Bah si, c'est ce que j'étais en train de dire. Mais bon. Du coup, vu qu'on n'a rien trouvé à Titan's Peak, on a dit, bon, bah, on va aller à Graveltown, ville natale de Silver. Et sur le chemin, on a rencontré un Pégase suspicieux. Il ne nous a pas dit bonjour, et du coup, Baskoula a lancé une empathie sur lui.
Elle a découvert qu'il détestait les licornes. Elle a découvert qu'il était dégoûté. Ça se trouve, il était juste dégoûté parce qu'elle était sale. C'est pas pour ça que j'ai lancé une empathie sur lui à la base. C'est parce qu'il a pas dit bonjour. Non, c'était pour autre chose. C'était parce que j'avais dit... Fizzle s'était rappelé que... Tu l'as signalé après l'empathie, ça. Ça, je l'ai signalé après qu'elle avait fait empathie. Mm-hmm. Non, je lui avais quand même posé des questions directes, en mode, attendez, monsieur, est-ce qu'il y a un mois... Vous avez été escorté par une licorne. Mais non, mais littéralement, ça a été bonjour. Il n'a pas dit bonjour à deux autres. Et là, appel empathie. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Moi, ouais, je me souviens plus. Quand je vous dis que j'ai eu des absences, voilà. Au pire, on verra, il y a les rushs. Ouais, la flemme de revoir. Je dis de la merde. Bah, ça sort demain. En tout cas, ce gars-là qu'on a fait peur. Ça a été l'une des dernières personnes à voir le mari de Flora. Et il avait peut-être des infos sur qui c'est qui a buté le mari ainsi que ses deux compagnons licornes. Que Scalecraft, la gérante de la guilde des aventuriers de Windborne, nous a demandé de venger. Tout simplement. Voilà. Et on était en train de ramener et la fin de la session précédente, on a ramené sa charrette parce qu'il s'est barré en volant. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi il s'est barré en volant. Ouais. Et comment dire? Et là, on était arrivé à Graveltown. Oh, mais... Est-ce que ce serait possible de relancer la musique, s'il te plaît? Non. Moi non plus, je l'entends. Et en plus, je la change tout le temps, ouais, quand on lance. D'accord, bon, ben, quand tu la changeras. Donc... Vous étiez arrivé à Graveltown. L'une des premières choses que vous avez faites, c'était de ramener la charrette. De parler à ramener ce gars, enfin. Ramener la charrette à des gardes. Gardes de... Que vous avez fait. Mais pourquoi moi j'entends... Je vous entends mal. J'ai l'impression que mon casque qui rend l'âme, ou c'est mes oreilles qui rendent l'âme, mais il y a un problème, hein. J'avoue que moi j'ai entendu Rennes bugger un poil de moment, mais s'il faut c'était moi. Mais après, je parlais pas vraiment dans le micro. Et ben voilà, comme d'habitude. Ouais, mais c'est pas évident. Bah, tu le mets là, comme ça, devant ta bouche. Bah oui, mais le truc, c'est que je mords la tête, etc. Enfin, je regarde partout, voilà. Arrête de regarder. Grougal, mords-le quand il fait ça. Mais mon chat, laisse-le tranquille. Mais justement, c'est ton chat qui doit mordre Rennes quand il fait ça. Non, okay. Une après, fois que... il va l'envoyer. Une fois que vous avez rendu la charrette que garde, que faites-vous? Où allez-vous? Oui. Eh ben déjà, je parle aux gardes de la loose et la muerte. Ils s'en foutent, ils travaillent. Bon, bon. Je reviendrai. Je reviendrai quand ils arrêteront de travailler. C'est comme la musique de Castellanos. Non, c'est la musique de comment on appelle ça? Il a vraiment mis la comment musique. Il s'appelle déjà Sébastien Castellanos. Oui, j'ai dit Castellanos. J'ai pas la ref. Il est et du coup, il est temps. David Wedding. De partir au galop. Mon perso va vous dire de le suivre et il va commencer à partir au trot. Vers sa maison. Mmh. Il est impatient. Ah, qu'il est impatient, c'est... Il est impatient, Silver. Oui. Bah, Fizzle le suit. Vers la forge. Ouais. Ouais, on va y aller. Hein.
à la forge. Oui, on le suit, mais pas trop vite enfin. Ah, il écoute pas. Ouais. Fizzle court pas, mais regarde au moins vers où. Voilà, vous avez et plus bien la map. On... Ouais. Et plus, ouais. On... plus on approche de la forge, plus il accélère. Mais tout en calme, attends-nous. Ouais, attends un peu. Ralentis un peu. Ah, pardon. Pardon. Vous êtes là, du coup. Oui. Mmh. Ah, c'est vrai qu'il y a Radia aussi. Redberry. Redberry, oui. Imimine. Qui va regretter d'être venu. J'espère que ça va pas être une garnette. Non, mais je l'ai dit, ça va être une garnette. Des garnettes 2.0. Mon Dieu. Non. Ça va être dramatique. Oh, bah, du coup, j'ouvre la porte, hein. C'est même pas de toquer, hein, c'est chez moi ici. Mm-hmm. Ah. Ah. Oh. Monsieur. J'ouvre d'un coup. Pardon. Juste, hop, j'ouvre la porte comme ça tout le monde voit la terre. Ah. Ah, tiens. Il esquive un petit peu la porte au dernier moment. Oh, doucement, monsieur. On l'a pas déjà vu, lui. Si, je crois que si. Du coup, je m'écarte pour les laisser sortir. Ah, attends. À plus tard, monsieur Obsidian. Ouais, à plus tard. Bonjour. Salut poliment. Salut poliment. Voilà. Mais si, on l'a vu. Putain, c'est... Comment il s'appelle? Ah bah, vous avez pas demandé son nom pour la dernière. Quel BG. N'est-ce pas? Moi, j'ai juste fait un salut de tête et puis je rentre. Ah, moi, l'uniforme, ça me rend caliente. Hein? Ah, mon grand! Ah, le câlin! Et on doit rentrer ou pas? Je sais pas. Entrez! Pendant que je dis ça, moi je dis. Pendant que je suis en train de courir à l'intérieur, je dis entrez. T'imagines, je passe juste la tête. Juste pour les trois, rapidement, je vais vous demander un jet de perception pour les trois qui sont encore. Qui étaient un peu à l'arrière. J'ai pas ouvert ma fiche, c'est une honte. Quelle indignité. Le câlin. Quelle insanité, oui. Ouais. Alors donc. Fizzle Scoulamore, vous aurez vu que Redberry avait l'air de regarder ailleurs, sifflotant un petit peu. Woodcutter, tu remarques toi de ton côté que c'était étrangement quand les gardes sont passés à côté. J'ai pas bien compris. Quoi ? Elle sifflotait un petit peu en se faisant genre elle est pas là, là, oh, elle est bon. Ouais, bah c'est joli le mur là. Hein. Un problème ? Non, allons voir à l'intérieur. Je la sens pas, je te jure, je la sens pas. C'est une voleuse. C'est une connasse. C'est une garnette. Ah. Donc retour au pépé. Comment ça va, pépé? Me serre pas si fort. Voilà. Ah, pardon pépé, pardon. Je lui tapote un peu le dos. Ça va, pépé? Pas trop fort. Ah. Tu m'as déboîté. Je plaisante. Ça va et toi? Tu nous ramènes des collègues? Oh mais c'est des filles. Oh petit coquin. T'es un vrai tombeur, hein? Ah, clin d'œil. Oh. Non mais je sors avec le papy. Il lui dit. Oh. Du coup,
Et du coup, je fais les présentations. c'est carnaval. Les amis, du coup, bon pépé. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et Skoula, Fizzle et bonjour. Monsieur Wood. Et Red Berry qui se cache un peu derrière. Bonjour. Bonjour. Ah, Red Berry, elle était pas dans ta lettre. Elle est nouvelle? Oui. On l'a croisé à Titan Speak. Très bien, enchanté. Je suis Obsidian Hammer. Enchanté. Enchanté de ta connaissance. Le papé du grand gaillard, là. Et en lui frottant la tête. Val, il frotte la tête ou pas? Parce que je l'ai reposé par terre. Oui, oui, non, mais il se met sur ses deux pattes et puis oh, oui, voilà. Du coup, Pépé, il est où, papa? Il est parti faire des courses. Ah. Je l'ai envoyé faire de grosses commandes, il devrait arriver pour ce soir. On le reverra bien assez tôt, j'imagine. Oh, oui, oui, mais il sera là ce soir. Et c'était normal, les gardes, ici? Bon, oui, il faisait juste que passer une commande. D'accord, quelle commande? Bon, c'est les commandes forge. D'armement, j'ai une forge. C'est une forge, regarde. On a tout. Ouais, bouclier, des armures. Tout ce qu'il faut. Ah, il a pas perdu les bonnes habitudes de vendeur, lui. T'as même pris un peu de confiance en toi, j'ai l'impression, grand. Ça te fait du bien de sortir. Oui, alors à ce propos... Oui. C'est là, on pourrait le mettre à mort dans la merde en inventant des conneries. Il m'a touché le cul. Oui, il m'a volé ma bourse en profitant que je suis faible. Il drague les nanas à tour de bras. Et les mecs. Il triche au bras de fer. Je vais faire défoncer par le grand-père. Il utilise le corps de sa partenaire pour gagner de l'argent. Oh non. Ayez pitié. Je me passe. Je sais pas, tu nous donnes combien? Tu nous donnes tes bénis? Bon, du coup, Silver, c'est laquelle ta copine? Aucune. C'est moi. Aucune. Je vais donner une tape. Je vais donner une tape sur la tête du grand-père. Mais enfin, t'as pas. Mais on frappe pas les papés. Mais non, mais oh. Et alors? Il a frappé, c'est au grand-père. Et puis en plus, il abuse. On frappe pas les grands-pères. Mais oui. Mais. Mais quoi? Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Mais enfin, vous en faites pas, je lui frapperai plus fort en retour. Il sort un gros marteau de derrière la... dessous le bureau. Oh. Alors t'es prêt? Vas-y, cours. Non, je ne courrai pas. Oh, pas drôle, et il repose le marteau. C'est vrai que t'as pas perdu ton sens de l'humour, en tout cas, Pépé? Ah, bah jamais! T'as dû t'occuper de quelques voleurs récemment ou pas? Non, ils sont assez calmes, tu vois, le marteau il est très propre, il a pas servi. Il y a pas de dents par terre. Et je me suis pas débarrassé des boucliers les plus chers, donc comme tu peux le voir, il n'y a pas eu de brigands. Ah! Comment vont les affaires? Bah ça roule, toujours. Ah. Oh, et puis j'ai tellement de trucs à te raconter, Pépé. Depuis la dernière lettre, on a vu des choses. Eh bien, tu me raconteras ça après. En attendant, tu vas aller servir du thé à tes invités, c'est la moindre des choses. Ah, oui. Joujou, allez. Bon, ben... Il est doué, votre petit, monsieur. Ah, ça, ça ne m'étonne pas de lui. Il tient plus de son grand-père que de son père. Oh, putain, le shade. Souvent comme ça. Le shade. Là. Du coup, je vais dire, venez. Je suis désolé qu'il regarde un peu. Je vais les conduire vers la maison, du coup. Suivez-moi. Après, j'ai pas vraiment de map de maison, mais en soi, c'est dans l'arrière-boutique. Ok. Il y aura tout un machin. Par ici. Et tu m'en ramèneras un aussi.
Bien sûr, Pépé. S'il te plaît. Avec ou sans sucre? Sans sucre. Mon cholestérol. Mon cholestérol. C'est pas bon pour mon cœur. Ouais, du coup, faut imaginer que la maison est là, quoi. Nous ne sommes pas dehors. Le papa s'est installé en se balançant sur sa chaise, les pattes arrière sur le bureau. Les antérieurs en train de m'écraser sa tête. Il aime m'écraser, le cochon. Eh, Pépé, fais gaffe à pas te casser la gueule. Je sais que tu t'es remis comme t'aimes te mettre. C'est pas vrai. Ouais. Et du coup, je commence à préparer du thé pour les gens. Dans la... Ceci est la grande pièce. C'est la maison. Waouh. Wow. La grande maison. Waouh. Wow. Y'a rien. Oh. Excellent. Et normalement, il y a la maison. Avec le salon qui est directement dedans. Et après, c'est les chambres. Salon cuisine et les chambres. C'est tout! Et du coup, ouais. Je vous donne à chacun une tasse de thé. Merci. 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 Je vais réchauffer mon corps. Tiens, Pépé, ton thé. Bon, soit vous allez discuter autour du pépé parce que t'étais censé lui raconter des histoires, tout ça. Bah oh, oui, Donc retour là. Retour là. Et du coup, je lui raconte les périples. Ouais. Fizzle va regarder un peu, va faire le tour du magasin. Elle va regarder un peu. Ah, alors du coup, t'as vu la mer, c'est bien. Bah oui, on a vu les princesses aussi. Ah oui? Ah ben oui. J'en venais pas large. Hein. Je me demande ce qui a pu les mettre dans cet état, parce qu'elles ressemblent pas du tout aux descriptions qui... C'est ce qu'on a cru entendre, effectivement. Et du coup, il continue à parler, Silver, le grand-père. Et blablabla, en gros, tu lui racontes toute ta vie. Bah, c'est ça, je suis super content, j'ai vu le monde. Hein? Et de temps en temps, il relancera le sujet de bon, c'est quand que tu trouves une copine? Pépé! Arrête! Il l'a déjà trouvé. Mais arrête! Ah oui, qui c'est? Qui? Petit sourire mesquin. Mais monsieur Wood, arrêtez! Oui. Viens là, mon grand, viens m'expliquer par ici, mon petit. Je crois que c'est la mémoire qui fait défaut, c'est l'âge. Mais arrête. Ah oui, je connais aussi. Ah, c'est vrai que ça a l'air de bien se passer avec Fizzle, hein. Mais arrêtez. Mais les deux. Et qu'est-ce que vous dites là? Arrêtez tout le monde. Mon perso qui rouge. Et le grand-père qui fait des signes, il fait comme les signes avec les doigts là. Mais qu'est-ce que vous dites? Le grand-père est Woodcutter. Partenaire dans le crime, quoi. Mais si, mon petit fils, là, il est mignon, mon petit fils. Mais arrête, Pépé, hein, ça suffit. Regarde-moi ces grands muscles. Mais c'est des collègues, arrête, Pépé. Eh ben, on peut mélanger travail et... et plaisir. Il m'intéresse pas, merci. Pourquoi? Pour l'instant. Il est mignon, non? Et puis, il est grand, il est fort. Bon, bah si la petite est pas intéressée, alors peut-être que la peinture lurée, où elle l'est. Mais arrêtez, mais Pépé, ça suffit. Redberry et... Hein? Elles sont toutes les deux peintes, hein, ah, Redberry. Oui. Et... D'ailleurs, c'est quoi ça? C'est carnaval? C'est quoi carnaval? Et quand on se déguise, c'est quoi ces peintures? Ah, c'était ça que tu me parlais dans... Tu lui en avais parlé dans tes lettres, je sais plus. Ben oui, ben c'est ça, mais bon... Une idée avec de la peinture. Alors, dégâts, c'est pas de la peinture, c'est de la tandoure.
C'est la loose de la muerte. Et c'est pas pour se déguiser. C'est pour rendre hommage. Quoi? Oui, se déguiser à manière à rendre hommage. Mais c'est pas un déguisement. Le déguisement, c'est pour les enfants. Ah oui, rendre hommage à la loose de... Je sais plus. Loose de, rappel? De la muerte. De la muerte, oui. Suite à un événement d'il y a 30 ans de je sais plus quoi. Alors, monsieur, renseignez un petit peu. Du coup, elle va tout lui raconter. Et de la peinture. En détail. C'est fortement intéressant, tout ça. Bah oui, je sais. Je suis affreusement gêné parce que le grand-père, il doit en profiter encore plus pour en rajouter des caisses. Le grand-père. Et puis il va taper un peu la conversation avec tout le monde aussi. Après ce coup-là, il va parler à Redberry qui va lui demander « D'où tu viens, ma petite ?» Ah, moi, c'est Noria et tout. Bah, elle raconte ce qu'elle vous a raconté. Et toi, là-bas, mon petit. Attends, Lucky. Donc, Fizzle. Mon petit. Ah, il est parti, Lucky? Non, je suis là. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il me parle en privé. Je veux juste savoir. Oscar, tu veux un partage? Il est pas là, Oscar. Ah, si, il est là. Oscar. Non. Bah, du coup, Loupi, je te laisse faire le partage. Ok. Et toi, mon petit? Oui. Tu me racontes un petit peu ta vie aussi? Je sors à peine de l'académie et elle lève sa patte histoire de montrer ses cristaux et j'étudie des cristaux. Géologue ou quelque chose du genre. Elle fait de la magie avec. Oh. C'est vachement intéressant d'ailleurs, PPL. Je sais pas comment ça fonctionne, mais bon, elle s'en sert. Vraiment, ça peut être intéressant. C'est ça. Moi, j'y connais que Pouy, casse tout, ces conneries. Bah, un peu. Par ici, mais en tout cas. Bah, c'est utile, c'est encore en développement et je suis encore en train de faire des expérimentations mais ça avance. Et bah, c'est dingue. Et vous alors, monsieur, vous devez bien avoir des trucs à nous raconter sur Silver? Oh bah lui, il faisait pipi au lit jusqu'à l'âge de 3 ans. Bon, ça a 3 ans. Hein. Mais Pépé, ça suffit. Ah, ça y est. Du coup, elle va s'accouder un petit peu sur la table. Mais pas trop non plus pour pas être mal polie. En mode. Alors, il a bien fait des petits trucs un peu. Hein. Des bêtises. Ah oui. Quand il avait à peine 4 ans, on s'en souvient encore, il essayait de faire Tarzan avec les rideaux. Et regardez sous les jupes des filles. Oh, t'es un bâtard. Ah, c'est quoi ça? C'est un rapport à... C'est une... T'es un une gros bâtard. C'est une vanne que je n'ai pas. Utiliser les propres anecdotes de sa femme pour des PNJ, c'est moche. Ah. C'est moche. C'est très moche. Vanille. Eh ben, écoute, plus de sexe, jamais, hein, voilà. Ils n'étaient pas censés être au courant, les autres, avant que tu le dises, c'est pas moi qui leur ai révélé. Comment elle réagissait. Mais t'aurais pas dû le dire, quand même. Je m'en fous, mes abonnés le savent déjà. Ah bon, voilà. Bon, bah voilà. Et du coup, mon perso, il fait « Pépé, arrête !» Bah quoi, elle veut savoir ce que tu faisais. Et vous saviez qu'avant, il était pas plus grand que la petite là?
Je veux dire, quand c'était un abo quand il était tout jeune, et puis il a commencé à grandir d'un coup, comme si on lui avait fait boire 3 soupes par jour. Peut-être qu'il buvait 3 soupes par jour. Non. Non, il a juste une grande poussée de croissance d'un coup, pouf. Eh ben. Et t'as pas besoin de leur donner les dossiers non plus. Ah, c'est. Les dossiers. Les dossiers. Yeah. Non, hein. Ah, c'est. Ah, j'en profite, parce que... Je regarde de manière suppliante le grand-père. Lequel? Le mien. T'es pas mon grand... T'es un collègue, t'es pas le grand-père. Les dossiers. Moi, j'ai de persuasion par le regard. Cette persuasion. Le regard implorant. Et si je loupe, il va faire un grand sourire et il va continuer encore pire. Et la femme balle. Jusqu'à ses 12 ans, il regardait sous les jupes des filles. Ouais, bon, comme ça a l'air de déranger le petit, on va pas trop en déballer non plus. C'est un mais pervers. Mais je vous le raconterai plus tard. D'accord. Je reviendrai. Mais. Et vous, cher confrère du troisième âge, vous avez des choses à nous raconter? Oh, à part qu'il a failli me tuer une fois. Mais je l'ai pas. Ça m'étonne pas de lui. Mais c'est pas vrai! Le coup, il est passé pas loin. Mais j'ai rien fait contre vous, monsieur Wood. Quand t'étais en rage, à un moment donné, t'étais passé pas loin de... Il est un peu nerveux, le petit, hein. Oui, bon. Je savais pas que j'étais comme ça avant de partir. Mm-hmm. Maintenant, tu le sais. C'est tout récent. Mais encore. Ça fait longtemps que vous êtes à l'aventure, mon grand... mon ami. Oh, des décennies. Des décennies. Des décennies. Mais comment ça se fait que je connais pas, du coup? Je sens le truc qui va arriver. Mais non, ça fait pas longtemps du tout. J'ai eu la crise de la septantaine. Ah oui, je reconnais. Pendant ce temps-là, il y a Fizzle qui observe les boucliers et qui est un peu en réflexion interne. Si tu veux quelque chose, Fizzle, tu demandes. Hein. Ah, ça. Je suis en train de me demander... Je suis en train de... d'imaginer qu'est-ce que ça ferait... Enfin... Autant moi, je porte mes bracelets, mes amulettes et tout, mais... Un cristal dans un bout d'armure. Ce serait pas plus simple pour activer un sort, du coup. Et c'est reparti. Aïe, aïe, aïe. Y a quelque chose qui t'intéresse, mon petit? Non, ça... J'ai... Mon petit... Non, ça ira. J'ai pas, dans tous les cas, j'ai pas assez pour me payer quoi que ce soit ici. En toute franchise. Mais c'est juste des idées comme ça qui me viennent dans la tête. C'est en fait. J'ai des voix. C'est des idées qui me passent et il faut bien réfléchir un peu. Vous resterez bien pour dîner, je pourrais vous inviter à la taverne ce soir. Ah, pourquoi pas? Oui. C'est si gentiment proposé. Si monsieur... Si ça embête pas trop... Merde, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié le nom de son père. Non, si ça dérange pas monsieur Marc...
Ça ne va pas le déranger, au pire. Pourquoi ça le dérangerait? Ça fait des clients en plus. Martin Garde. C'est Monsieur Marc. C'est qui? Paul qui, Marc. Ouais, c'est le tavernier. Ah, d'accord. On verra peut-être Monsieur Quartz aussi. Tata. Ah bon? Tata. Il est ici? Ah oui, en plus, il est encore en ville, oui, donc peut-être. Ah! Oh. Mais il faut le trouver! Ouais. Il va pouvoir vous parler connaissez de Karing? Karing? Oui, c'était mon fils. T'en as entendu parler, Pépé? Parce qu'apparemment, il voyageait avec Monsieur Quartz à une époque, mais. Bon, vu que je sortais pas vraiment. Il est où mon gobelet? Le gobelet! Le gobelet. Le dessert. Si je le connais, bien sûr, Karing m'en... Enfin, Karing. Monsieur Quartz m'en parlait presque tout le temps. Mm-hmm. Il lui a même acheté quelques armes ici, mais tu étais tout jeune encore, mon petit. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle regarde... Non, elle regarde... c'est le joueur qui fait... Mm-hmm. Parce que mon perso, il est beaucoup trop naïf pour penser à ce genre de truc. Et donc du coup, moi, c'était votre fils? Oui. Et comment il va maintenant? Bah, j'ai dit c'était mon fils. Donc. Ah oui, c'est... Ah, oui, donc pardon, on rembobine. Et, ah, il dit trop rien, il sait pas trop où se mettre pour le coup. Ça, le problème, c'est dans ces cas-là, pas vraiment dire grand-chose non plus. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'il y a avec, avec ce monsieur Quartz? Bah, il a beaucoup travaillé pour Monsieur Quartz, mon fils. Ouais. Ouais. Au moins les 5 premières années. Après, il est resté à la guilde de Wimborn. Mais ça lui est arrivé de temps en temps de faire quelques missions ensuite avec. Quel genre de mission? Bah, des missions en tout genre, plus de l'escorte, le transport de marchandises, tout ça. Vous avez une idée du genre de marchandises ou pas? Dans toujours. Toujours. Bah, des armes, des fruits, des légumes, des lettres, tout. Un peu de tout. Du minerai. De la drogue. Oui, la drogue, l'héroïne, l'ennemi. Désolé, c'était pas drôle. Et du crack. Du toshi, pardon. Okay. Et des putes. Et des putes. Pardon, désolé. D'accord. Attends, il a fait beaucoup de choses pour Monsieur Quartz et j'aimerais le remercier. Le joueur aimerait pas le remercier. Attends, je regarde juste un truc. Mais pourquoi ils aiment pas Quartz? Un peu. Comprends pas, dit-il. Ouais. Comprends pas Quartz? Je disais, tu disais, mais je comprends pas pourquoi ils aiment pas Quartz. Parce qu'il pue l'embrouille à 8000. Ouais. Quelqu'un d'aussi gentil, ça n'existe pas. C'est quoi l'expression qu'il y a sur ce coup-là actuellement? De quoi? Est-ce que ce coup-là, elle a les mêmes. Est-ce que ce coup-là, elle est comme sa joueuse, elle se dit qu'il y a des trucs qui puent? Ou c'est comme moi avec Wood, où moi je me dis qu'il y a des trucs qui puent, mais Wood il est en mode. Ah non, au ce coup-là, elle pense que ce serait juste bien que tu le vois, parce que du coup, il pourra te parler de ton fils, et voilà. Ouais. Ok. Elle pense vraiment que c'est une bonne idée qu'il le voit, lol. Ouais. Eh bien, écoutez, allez faire donc un tour en ville, on se retrouve dans la taverne ce soir. Ce soir, pépé. Ouais. Et t'endors pas au comptoir. Papa va être furieux encore, sinon. Oh, t'inquiète pas. Faire attention quand on boit de l'alcool, hein, mon cher ami, s'endormir au bar quand même, à notre âge. Non mais au comptoir. C'est un comptoir ici. Oui mais on a parlé de bar et après on a dit comptoir donc. Bah du coup. À tout à l'heure monsieur, au revoir monsieur.
Au revoir. À plus tard, Pépé. Au revoir. Ah, au fait, je tiens à dire que la qualité de votre marchandise, elle est c'est une bonne qualité. Oui, je sais. Merci. Je sais. Je sais. Mais vous voulez quelque chose, ma grande? Oui. Quand est-ce qu'il revient vous voir pour les informations? Quand vous voulez, ma petite. Quand vous voulez, mon petit. Et tu sais, elle agite les sourcils avec un air de conspiratrice. Oh non. Vous raconterez aussi une histoire avec une table en verre. Ok, je te quitte. Sans là, les bails, les sales bails. Ça se fait pas de balancer les dossiers comme ça, Ren. Ouais. Pas trop de dossiers sur moi ou pas de souvenirs de dossiers. Et bah t'as qu'un inventé, connard. Si, j'en ai un. Je vous raconterai une histoire avec un escargot. Oh non. Oh. Laisse cette pauvre bête. Bah, du coup... Très bien. Vous me suivez? Je vais vous montrer, Gravel Town. Enfin, parce qu'il ce qu'il y a dans Gravel Town. Le peu qu'il y a. Et du coup, je fais la visite. Soit vous êtes un peu en fin d'après-midi, donc tu pourras leur faire visiter un petit peu tout le village, tranquillement. La forge, la boulangerie, la pâtisserie, le petit gâteau, à tout moment du tantôt. Boulangerie, pâtisserie, petit gâteau. À ton école, à tout, voilà. Vraiment toute la petite ville, tranquillou pépouze, vraiment petit village, tout modeste. Pour finalement finir, du coup, la taverne. La taverne, je vais vous mettre sur la map de la taverne. Bon. Merci. Et Silver, il se frotte l'épaule en mode, bon, ouais, je sais, c'est pas... Ah, je suis sûr que c'est toi. Je suis pas Canterlot, mais bon, c'est... Je suis sûr que c'est lui, Quartz. Alors, attends. Lequel? Lui. Pointe. Qui? Pointe. Vas-y, va. Docteur Cavaleron. Silver de la petite patte. Oui. Et d'ailleurs, ça prend partie des dossiers, ça. Vous comprendrez. Allez, je vais plutôt les mettre là. Mais du coup, bon, Silver il s'excuse, il dit bon, bah je sais, c'est pas grand chose, mais bon, c'est. Mais bon, c'est là, très bien, qu'est-ce que tu racontes, toi encore? Voilà. Hola! Bien le bonjour, voyageur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Mais c'est le grand gaillard! Vous allez bien? Bah oui, viens. Installez-vous là, peut-être. Ça sera peut-être mieux. Si on est sur une grande table. Il n'y a pas beaucoup de... Ah oui, sur la grande table, oui, parce que... Bonjour. Je regarde ce coup-là, et je tiens une chaise. Et je regarde Wood, et je vais m'asseoir ailleurs. Vous allez ailleurs. Bien, Trimmer? Ah, oh, bah tiens. Je rigole, hein. Du coup, je l'ai tenu pour Red Berry. Vous allez bien, monsieur Marc? Ça va bien, et toi, mon petit? Comme vous pouvez voir, ben, ça va. Alors, ces voyages? Ouais. Et je refais un truc rapide des aventures. Ouais, ben, ça en fait des aventures. On a vu les princesses, et puis on a vu la mer. Vous saviez que c'était salé? C'est pas ouais. Bon d'ailleurs. C'est pas bon d'ailleurs. Je sais pas qui c'est qui a foutu la salière, mais c'est pas bon. Il a toujours un mot pour rire. Il est drôle. Mais non, mais c'était pas pour être rire, pour rire. C'est exactement ma réaction quand j'ai découvert la mer quand j'étais gosse. Et qui c'est qui a balancé la salière là-dedans? Les dossiers. Voilà.
Pendant ce temps-là, vous vous asseyez pas, monsieur Wood? Je suis assis, là. Je sais pas, on dirait que t'es à moitié assis sur les genoux alors que la chaise, elle est là. Ben non, c'est moi. Et là, il y avait... Ah non, il me semblait qu'il y avait une chaise. Là. Ah il me semblait que c'était elle qui se tenait sur ma chaise. Je me dis, ben... Du coup, je demande comment est le commerce. Bon, après, les banalités, tout va bien, etc., blabla. Tout va pour le mieux. D'accord. Bah, si ça vous dérange pas, on va attendre mon pépé et mon père à la table là-bas avant de commander. Pas de problème, vas-y. À plus tard. À toutes. Et au passage, il y a Monsieur Quartz qui te fait un petit coucou. Bonjour, Monsieur Quartz. Bel bonjour, mon grand. Vous revenez ah là, oui, il avait raison, c'était lui. Forcément, il a une tête le de pédophile. Le docteur Cavalieron. Cavalieron. Je lui demande si... J'avais regardé, mais Docteur Caballeron, il avait pas exactement les mêmes couleurs. Non, mais pas loin. Pas loin. Mais c'est vrai qu'il faisait beaucoup penser. Et du coup, je lui demande si... il arrive de Wimborne ou s'il va, repartir vers Wimborne. Oh, non, ça fait quelques jours que je suis là, pour l'instant. D'accord. Je suis en train de vendre quelques marchandises et puis je repartirai encore je ne sais où. Mmh. Et là, Silver en mode. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans mon groupe qui a connu apparemment une personne qui a voyagé avec vous il y a quelques années. Monsieur Wood? Oui. Monsieur Wood, vous dites? Oui. Et du coup, je fais un signe à Woodcutter. Je fais lancer mon sort. Bah, tu peux, oui. Du coup, monsieur Wood, je vous présente monsieur Quartz. C'est vous le monsieur qui a hébergé mon fils et qui lui a fait plein de cadeaux. Alors, deux secondes. Parti. Ah, lui, il a une fiche, tiens. C'est louche. C'est louche. C'est forcément méchant. Forcément, il a une fiche. Comment est-ce qu'il aurait pu capturer mon fils, sinon? Tu n'arrives pas à lire tout de suite dans ses pensées. Mm-hmm. Et c'est une licorne, d'ailleurs, ou c'est un... Non, c'est un terrestre. C'est un terrestre. Okay, il se lève, du coup. Je suis ravi de faire enfin votre connaissance, monsieur Wood. Il te serre la main. Mais la patte, le sabot. La patte, oui. Serrez-moi la patte. Vous savez, votre fils m'a tellement parlé de vous. Mmh. Oui, il a beaucoup parlé de vous dans sa lettre aussi. C'est vrai? Oui. Eh ben. Sacré Carrig. Et... Attends, je vais lui faire un jet quand même pour savoir s'il sait ou pas. Sinon, comment il va? Vu qu'il a passé les trois quarts de son temps à être avec lui, à lui offrir des cadeaux... Je pense qu'il sait. Bah, fumble en culture G, excuse-moi. C'est pas vraiment de la culture G, ça. Oui, non, mais bah si, bah, avec les on-dit, etc. Et comment il va maintenant? Je vois qu'il vous a rendu votre chapeau. Bah... C'est pour ça que je suis parti, c'est parce que bah, il ne va plus, il n'ira plus jamais. Non, je vais pas le dire comme ça. Il est mort. Silver, il essaiera de faire des signes. Il essaiera de faire des signes à Monsieur Quartz avec toute la discrétion qu'il est capable, en mode. Non mais je le dis, hein. Il est mort. Il est mort malheureusement. On l'a ramené. Tu... tu peux voir qu'il y a quelque chose en lui qui vient de se briser. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah. Silver, il donne des, il fait des pat-pat à Woodcutter. On nous l'a ramené. Maintenant, ça va faire combien de temps? C'est plusieurs mois maintenant. Ouais. Un mois, presque deux. Je suis désolé d'apprendre ça.
C'était un brave petit. Oui. Vous avez pu le revoir avant, au moins ? Non. Aïe. C'est pour ça que je suis parti aussi, pour... C'est trop tard, mais entre guillemets, rattraper le retard. Vivre ce qu'il a vécu, parce qu'il voulait que je le vive avec lui, donc par procuration, en quelque sorte. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, monsieur, n'hésitez pas. Aïe. J'y penserai. Je n'oublie pas tout ce que vous avez pu faire pour lui. Il sait pas trop où se mettre. Moi non plus. Bah, vous voulez pas venir à notre table? Vous l'avez bien connu, vous pourriez raconter un peu, si vous voulez. Oui, bien sûr, mais après je ne veux pas non plus vous déranger. Bon. Vous ne nous dérangez pas. Nous dérangez pas, on a hâte de savoir. À quel point vous le connaissez? Oui. Eh bien, si ça ne vous pose pas de problème, oui. White, tu veux venir avec nous? Je veux pas non plus vous déranger, monsieur Quartz. Il nous dérangera pas, enfin, vous, ça ne vous dérange pas qu'il vienne. Non, non, mais qui est ce jeune homme? Une de mes escortes. Quel sens du terme? Voilà, j'allais dire. Comme Karing, c'est ça? Non, c'est le joueur qui parlait, genre d'escorte. Mon escorte, c'est tout. Il a l'air d'avoir quel âge? Lui, il a l'air d'avoir 27 ans. Et si, hein? Ça, c'est, je reconnais. C'est un type de 27 ans. Il a l'air d'avoir 27 ans. Il tire un peu faire ses 28 quand même. Hein. Je ne voyage jamais sans escorte. Ouais, il m'a semblé qu'il avait dit ça dans ses lettres. Il me semble qu'il avait dit à un moment donné un truc comme ça. Bon, du coup, je m'installe où? Je voudrais pas piquer des places. N'importe. Ah, du coup... Moi, je m'assois là. Ouais. Je vais m'asseoir là. Il va falloir faire de la place parce qu'il y a deux autres personnes qui arrivent. Et j'allais faire la remarque. Mais on n'est pas censé... en me tournant vers Silver, mais... Si, mais bon... On n'est pas censé... Le temps que Pépé et mon père arrivent... on peut bien discuter. D'accord. Moi, je dis plus rien. Je me suis installé. Je me présente Quartz Pate, mais tout le monde m'appelle Monsieur Quartz. Et ici, White Beryl. Bonjour. Voilà. Moi, c'est Skunamor. Bien enchanté. Bah, vous pouvez m'appeler Fizzle. Alors, comme ça, vous étiez avec... avec Karingwood? Oui. On a été mon escorte pendant 5 bonnes années au moins avant de partir à la guilde. Après, il faisait plusieurs petits boulots quand il ne m'escortait pas, mais... Oui, il avait parlé de ce genre de choses aussi. Du coup, ça discute de tout et de rien, je suppose. Oui, jusqu'à l'arrivée. Du pépé.
Allez, Belki. Yo, Obsidiane. Oh, non, pardon. Wesh, wesh, ma gueule. Sérieusement. J'aime bien parce que... J'aime bien parce bonjour, que... bonjour, Belki. Salut, Topaz. Papa. On a trois monnaies qui se ressemblent. Là. Là. J'attaque. L'attaque, Hug. Non. Silver, je t'ai déjà dit, tu sers trop fort. Verse une petite larme, Silver. Il fait quand même un pas de patte dans le dos. Vraiment le... Ouais. Laisse-moi respirer. Tu sers trop fort, fils. Pardon. Il le repose, du coup. Pendant ce temps-là, il y a juste Obsidian qui va taper la bise à Quartz, serrer la patte à... White. À taper la bise, carrément. Ah oui. Mais attendez, je vais vous chercher une autre chaise. Elle prend une chaise. Bah, tu aurais qu'à t'installer en bout de table, et vu comment tu es petite, ça devrait pas te poser de problème. Par la qui, là? Affizel. Bah, oui. Ouais. Du coup... Mais elle posera une chaise ici. Moi, je m'excuse... auprès de mon père, d'avoir parlé comme ça, en partant. Non, c'est rien, fille, c'est rien. Viens, papa, viens. Ça fait des années que je te renie. C'est bon, je t'ai renié. Et du coup, papa, mes collègues de route. Enchanté, monsieur. Il n'y a plus assez de place. Non, grand-père qui fait « Vas-y, tu vas t'installer à côté de la petite, là-bas. » Les petites, serrez-vous. Nous sommes serrés. Bon, bah, Topaz Plate, hein, si mon fils vous a parlé de moi. Non. Moi, c'est Skoulamor. Enchanté. Moi, c'est Fizel. Enchanté. Enchanté. Redberry. Dit-elle, en fait, elle fait Redberry. Elle chuchote après. Ça va pas, Redberry? Si, ça va. Vous êtes un peu bizarre depuis qu'on a croisé les gardes. Non, ça va. Qu'est-ce que tu caches? Mais je cache rien du tout, tout va bien. Qu'est-ce que tu caches? Je cache rien. Mais arrête. Je fronce les sourcils. Je cache rien. Chut. Je peux faire un jet d'empathie? Tu peux. T'aimes bien les 7 sur l'empathie, toi. Alors, elle est où, cette petite Redberry. Tu ressens... Tu sens qu'elle est mal à l'aise. Un peu... Enfin, juste mal à l'aise. Pas non plus de la peur, pas de l'angoisse. Ah, plus de l'anxiété, voilà. Pendant qu'elle lance son sort, qu'est-ce qui se passe? Redberry. Ceux-là, c'est des voyageurs, c'est pas des gens de Carmita. Si, c'est des gens d'ici, oui. Bah du coup, je devrais les connaître, non? Bah pas forcément. Ah bah oui, c'est vrai, je bougeais pas beaucoup. J'ai oublié. Bon, du coup, qu'est-ce que vous voulez commander? Pour manger ou juste boire un coup? Alors, ça sera un repas. Obsidian qui dira je vous offre tout, et puis je vous passe les passages du serveur, etc., qui vous donnera les plats et les boissons. Ouais. Mm-hmm. Ok. Et réunion de famille. Du coup, à cause de cette petite interaction avec Redberry, Fissel va garder un œil sur elle. Ah mais moi j'insiste, hein. Qu'est-ce que tu caches?
Je cache rien. Tu ferais mieux de parler maintenant avant qu'on trouve le pompon. Elle ne te lâche pas avant, je crois. Je vais vous expliquer peut-être plus tard, mais pas maintenant, s'il vous plaît. Maintenant. Oh. Bah, si elle nous promet de le dire plus tard, il n'y a pas de problème. Bah, ça peut être plus tard, oui. Pas. Mais on te garde à l'œil. Topaz qui va regarder un petit peu Wood, Berry et Skoula. Et sinon, c'est quoi cette peinture? Et je suppose qu'en même temps que Skoula, va y avoir le vieux qui va faire « Mais c'est pas de la peinture, c'est de la teinture !» Mais trop peu de jeu. On va dire « C'est pas de la peinture, c'est de la teinture. » Voilà, tu le diras en même temps que Obsidian. « C'est pas de la peinture, c'est de la teinture. » Ah, le vieux, je croyais que tu parlais de Wood. Bah non, c'est Pépé. Obsidian. Ok. Pépé. Ah, ça va. Bah, c'est pas pareil. Ouais, et donc, c'est pourquoi? Donc, elle va à nouveau lui expliquer que c'est pour rendre hommage. C'est pour rendre hommage à la Luz de la Muerte qu'elle nous protège. Qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Il se prend une tape de la part du grand-père. Sois poli, s'il te plaît. Papa! Ben, c'est pas des simagrées. D'accord. Et elle va tout lui expliquer. Puisqu'il a l'air de vouloir savoir. Il a pas l'air d'être... Enfin... Il était curieux de savoir et après il se dit ah, d'accord, c'est des conneries, mais c'est... tu sens qu'il y croit pas du tout. Ouais, mais si. Ta gueule, Lucky, tu perds un béni, voilà, chais. Pourquoi? C'est mérité. Non. Bannez-le, une cathédrale. Qu'est-ce qu'il a dit encore, ce con? Et pourquoi on parle de Simagré? Oh, ferme ta gueule. Tais-toi. Silver, il va pas dire grand chose de plus, il est juste tout content de voir son père et de pas être en froid avec lui. Mais du coup, tant qu'il dit pas à voix haute ce qu'il pense, Topaz, moi ça va. Hein. J'imagine ce coup-là en train de déblatérer le truc et le père de Silver en mode. Oh. Il souffle. En mode je m'en bats les couilles. Ah, il est beaucoup moins fun que le pépé, hein. Bof. Et du coup, mon perso en profite pour parler avec son père de ce qu'il a vu dans le monde. Il détourne l'attention du coup et il dit « Du coup, papa, j'ai voyagé, j'ai vu tout ça et tout. » Parce qu'il voit bien que ce coup-là l'emmerde. T'es pas gentil. Mais ça évite à ce qu'il... Il t'écoute quand même, mais bon, après il reste quand même très très sérieux, toujours un peu froid dans le regard, mais pas non plus. Il t'écoute quoi. Il semble déjà plus ouvert qu'avant. Oui, mais bon, aussi un peu froid dans le regard quand même. Ouais, mais il y a des chants comme ça. Et du coup, ça diminue un petit peu l'enthousiasme de Silver quoi. Et continue. Il dit tout. Et il raconte. On a même vu les princesses. L'océan aussi. C'est grand. Voilà, après il va tout décrire, mais je vais pas non plus faire le truc.
Il y a le papé qui se lève après avoir regardé que les gardes s'approchaient. Et, ah, capitaine. Justement, j'avais oublié de vous annoncer quelque chose par rapport à vos offres d'armement. Est-ce que je vous ai parlé de l'offre de, effectivement, une armure achetée, un bouclier offert, etc. Ok. Et puis, ils se mettent à partir vers la sortie, du coup. Faudrait qu'on en reparle un petit peu plus sur les offres. C'est vrai que j'avais oublié de vous proposer cette promotion, et blablabla, et blablabla. Papé qui sauve le cul de Red, surtout. Ouais. Et surtout, n'hésitez pas à repasser me voir. Hein. Allez, à plus tard. Zou. Silver, il rigole. Il rigole un peu en mode le pépé. Jamais. Il oublie jamais le commerce. Ah. Si j'oublie de parler des promotions, forcément. Comment je vais attirer de nouvelles clientèles si je les satisfais pas comme il se doit? Red, on t'écoute? Hein? On t'écoute? Pour? Je fronce les sourcils. Tu dois nous dire quelque chose. Maintenant que les gars sont partis. Mais j'ai rien à dire. Balance! T'inquiète pas, Berry. Mais moi, j'ai d'intimidation, mais j'ai presque envie de... En fait, non, tu sais quoi, tu le fais pas parce que t'as fait sursauter le jeu. Et les chats. J'ai aussi fait sursauter les spectateurs. Moi, non, j'ai cligné des yeux. Je suis désolée. Et, mais je te jure, j'étais en train de voir. Et t'as Fizzle qui la regarde mal aussi. Enfin, qu'il la regarde pas mal, mais qu'il la regarde... D'accord, mais s'il vous plaît, me ramenez pas, Noria. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi, là-bas? Pourquoi on t'y ramènerait? J'ai fugué. Pourquoi? Tu es la fille de le gars. Oh non. J'ai fugué parce que je voulais découvrir un peu le monde, c'est tout. Et j'ai rien dit à mes parents. Mais décidément... C'est commun ici de fuguer, hein? J'ai pas fugué. À un moment donné, il va falloir entretenir le dialogue avec vos parents, hein? J'ai pas fugué. Ou vos enfants. Mais on parle pas de toi. Ben, zut. Mais on parle pas de toi, Silver. Monsieur Quartz qui rigole un petit peu, t'en fais pas, va. C'est pas un problème, puis je vois pas pourquoi les gardes d'ici viendraient s'occuper des affaires des Noria. Oui, mais je stresse, c'est tout. Bah écoute, y a pas, ce que je sache, y a pas encore de prime sur ta tête. Non. Sinon ça peut être intéressant. En effet. Mais il est présente. Moins que tu sois quelqu'un de haut placé, je pense pas qu'il y ait du monde qui va venir te chercher ici. Par contre, tu devrais dire à tes parents que t'es en vie quand même. Hein. Même si c'est juste pour l'envoyer de l'aide. Ils vont s'inquiéter, les pauvres. Bon. Qu'est-ce que tu nous caches? Tu dis pas toute la vérité, là. Tu nous prends vraiment pour des jamones? Des quoi? Des jambons! Mais non. Mais si. Mais non, je me dis tout. Non, te dis pas tout. Allez, dis-nous. On te jugera pas, promis. Non, comment veux-tu nous faire confiance? Sinon, on peut pas te faire confiance. Persuasion. Allez, balance la purée. Ok. Est-ce que je peux aider le jet de fusil aussi? Qui le fait? Qui le fait et bah, qui aide? C'est Fizzle qui, je pense, le fait. Je le fais et on va essayer d'aider, nous. Bah, Skoula et Silver, ils aident. Par contre, je peux aider avec de l'intimidation, moi. Je voulais aider aussi. Proposer. Et étant donné que... Ok. J'allais dire, étant donné que t'as fait un jet d'empathie sur elle, normalement, t'es censé avoir plus en intimidation. Oui, bon, de toute façon... Ouais, mais l'empathie, il est passé depuis un bail.
Ah oui, ok. Et donc tu as plus 4 sur le jet. Persuasion. Ah, plus 4. Oh putain. Mais elle est toute gentille, hein. Enfin, elle dit pas ça en l'agressant. Mais. Bien. Je m'appelle pas vraiment Redberry Cuteness. Ouais. Non. Encore. Je m'appelle Redia. Et alors? D'ailleurs, en plus, je l'ai dit tout à l'heure sans faire exprès. Pas fait gaffe. Je m'appelle Redia et. Redia? Oui, Tolga. Redia. Et alors? Oh non! C'est la fille de Tolga! La fille dit. Mais d'où elle a une fille? Mais non! Arrêtez! N'importe mais si. Quoi. Vas-y! Sa nièce! Bon, laissez-la finir là, c'est chiant! Et alors? Et je suis. La petite fille du général. Quel général? Général Olga. Eh? J'étais pas loin. Ah! La petite fille. Mais ça aurait été sympa de nous le dire. Attends. Comment ça, la petite fille? La petite fille. Non, mais c'est à Monsieur que je parle là. Ah, bah, Tolia a eu un enfant. Avec qui? Attends. Oui, ah oui, c'est avec qui? Oui, si. Tolia a eu un enfant. Et bah, les enfants ont eu un enfant. C'est elle. Mais avec qui? Ah ah. Oui, mais Lupi t'a demandé, elle a eu un enfant avec qui? Bah oui, bah, ah ah. Mais arrête tes conneries, toi. Avec le père de Storm. Mais arrête! C'est pas je cherche les pas de pony. Bah, à part Garnett. Garnett, elle voilà, a eu personne, Tolia, en fait. Hein. Bah, en fait, Garnett avait fait une relance post-mortem. Bah, plus tard, si, on l'aurait su, en fait. Oui, bah, je vous l'ai pas dit, voilà. Bah, on aurait dû le savoir. Oui, bah, non. Bah, si. Mais il faut bien que je vous garde quelques surprises en tant que joueur aussi. Non. Bah si. Eh si, Red, t'as bien fait. T'as bien fait. Et du coup, alors, t'es la petite fille d'Olga? Oui. Oh. Elle s'appelle Redia Koutia. Oh. Ah, je vois. En tout cas, si jamais on a des problèmes, on pourra demander à Amber et Ulrich. Ils pourront peut-être intercéder. Vous êtes sûr qu'ils voudront pas me ramener ramener mes parents? Bah, c'est des explorateurs, donc je suppose qu'ils accepteront. Et ils comprendront. Enfin, je crois. Rare. Ouais. En tout cas, merci de nous l'avoir dit. Ouais. Mais tu devrais quand même prévenir que tu es ici, hein. Ça pourrait faire des problèmes. Si je préviens de là où je suis, ils vont venir me chercher. Eh ben, on leur dira d'aller se faire foutre. On te garde avec nous. C'est pas très gentil. Ouais, bah, bon. Au moins, même si tu dis... Enfin, envoie au moins une lettre disant que tu vas bien. Ouais. Oui. D'accord. Dis pas où tu es, mais tu dis que tu vas bien et que tu es avec des personnes que tu fais confiance. Enfin, si tu fais confiance. Peut-être. Je sais pas. D'accord. Mmh. Allez, quand on retournera...
Je pense que ce serait mieux d'y aller, d'aller à Canterlot pour ça. Envoyer une lettre à Enoria. Mais vous pouvez envoyer des lettres de partout. Mmh. Oui, mais j'imagine qu'à Canterlot, ils ont un meilleur système postal. C'est pareil. Ça passe par Canterlot, de toute façon. Pas forcément. Il y a la poste ici, là aussi. Ça marche bien. Ensemble avec la poste. Mmh. En tout cas, voilà, enfin, on va t'enverrai une lettre. D'accord. Wow, que de révélations ici, dira Quartz. Mais. C'est chiant des fois mes fiches qui bug. Allô? Oui. J'ai dû me retirer un instant. Pour... Bon, pour le reste du repas, après c'est du blabla de banalité jusqu'à ce que vous décidez de poser d'autres questions à qui vous voulez. Ouais, comme marqué, Silver, il va juste jeter des regards furtifs vers son père pour voir s'il est en train de faire la gueule. Oh, il s'en fout. Moi, je m'en fous. Il a un petit air blasé, mais non, pas non plus mauvais. Mais de temps en temps, quand même, il te regardera et te lâchera quand même des petits sourires. Mais genre des petits. Ah, oh, oh là là. Oh là là. Oh là là, il lâche des sourires. Oh. Incroyable. Cet homme a des sentiments. Bon, ce qu'on appelle un sourire chez lui, c'est les lèvres sont toujours vers le bas, mais moins bas. Dans les muscles qui sont tellement durcis parce qu'ils ne sont jamais utilisés, qui grincent. Donc voilà. Ok. Si vous n'avez pas de questions à poser à qui que ce soit, monsieur Quartz ou quoi. Si, moi j'en ai. Vas-y. J'ai l'air d'avoir une aussi. Est-ce que vous connaissez un espèce de Pégase vert avec l'écran blond là? Oui. Pégase vert avec l'écran blond? Oui. Pour lui. Est-ce que vous ferez pas référence à... Comment s'appelle déjà ? Pyrole Grasse ? Je sais pas son nom. Je connais pas son nom. On a vu sa cutie mark ou pas ? Ouais, oui. Alors je lui décris sa cutie mark. Ah oui, c'est ça. Pyrole Grasse, un marchand d'Huffington. Ouais. Oui, il dessert de temps en temps ici. Pourquoi il lui est arrivé quelque chose? Non, mais on enquête. On lui est arrivé. On enquête à propos de la mort d'une escorte qu'il avait demandé. Ah oui, je vois. Il était un et peu du louche. Coup, louche, lui. Il a pas mal esquivé nos questions. Puis il s'est enfui, mais bon. On a ramené sa charrette. Ah, étrange. Merde, mes médocs. Aïe.
Ça me semblait être un bon gaillard. Un peu mou, mais un bon gaillard. C'est mou. Bah, en tout cas, il aime pas les licornes. Ah. Ouais. Je ne le savais pas comme ça. C'est pas quelque chose qui lui est arrivé récemment qui pourrait éventuellement avoir changé son attitude. Bah, vous savez, je le fréquente que très rarement. C'est Monsieur Quartz qui parle. D'accord. Du coup, maintenant que vous avez son nom, je vais pouvoir vous mettre sa fiche. Et d'ailleurs, vous savez qu'est-ce qu'il vend habituellement ? Bah, un petit peu de tout, c'est un transporteur comme moi. Un transporteur ? Oui, on nous met en charge de transporter des marchandises et on les livre ensuite à destination. D'accord. Et est-ce qu'il y a une marchandise qu'il a tendance à plus ramener que d'autres ou il amène vraiment de tout? Oh, un petit peu de tout. D'accord. Mais de mes souvenirs, il voyage très souvent entre les coins de dans les coins de Liminon, ici, et il me semble aussi un petit peu dans un petit village. Je sais pas si vous connaissez Rollert. Oui. Et il voyage de temps en temps là-bas et marcher aussi. Ouais. Et Canterlot forcément. Il faudra qu'on aille y faire un tour, du coup. Voir si y a des informations. Non, il se passe jamais rien à Rollert. Mais on va quand même y aller. Oui, mais... je suis fatigué. Et alors, on va pas y aller aujourd'hui? Oui, mais je serai fatigué, voilà. On enverra un Vulcan, hein, ou quelqu'un d'autre. Non, on va y aller. Et puis, si vous êtes fatigué... Silver va vous porter. C'est ça, Silver va pouvoir vous porter. Non. Oui. Comment ça? Il faut arrêter de faire le bébé. Surtout à 72 ans. 72 Excusez-moi, ans. Dans mon village, on parle vraiment bien français et on dit 72. Oui, bah je l'ai 72 dit ans, j'ai un an de plus que vous, monsieur. Ah, respectez vos aînés. Parce qu'il et avait vous dit irez Silver. En Rollert. Parce qu'il avait dit Silver. Silver, il avait dit qu'il était plus jeune que moi quand on avait parlé de l'âge, il me semble. Il avait dit 71. Il a perdu. Silver aurait menti. Silver, c'est pas l'âge de son grand-père. Bouh. Il a changé son âge pour pouvoir juste dire qu'il était plus vieux. Désolé. On avait convenu qu'il était un peu plus jeune que Woodcutter. Bah, en fait, c'est pas ce que j'ai marqué dans mes fiches, donc... En fait, non. C'est moi ou j'ai entendu un verre qui se cassait? Non, j'ai fait tomber un couteau, pardon. Ah, tu t'es pas fait mal? Non, il est tombé par terre. Okay. Le couteau a pas eu mal? Ah super. Si, il souffre. Et le carrelage a très mal aussi. Il pleure. Ouais, Beryl, il a l'air comment, là, enfin... Normal, en fait, c'est le genre de personne qui, il est en plein milieu, enfin, il est dans un groupe, et puis il est pas, en fait, intégré au groupe, il écoute les conversations, mais il peut pas vraiment y participer. Là, c'est comme quand tu rentres dans un groupe d'un de tes potes en commun qui présente tes potes. Ouais, et puis il parle de ses années collège dans un collège que tu n'as pas été. Et puis, ah ouais, le prof, j'en prends. Alors. Ah oui, madame Tétillon, oh là là. Beryl.
Sinon, et sinon, vous, White Beryl, est-ce que vous le connaissez, ce Spiral Grass? Pas plus que ça. Il semble avoir vu une ou deux fois, et tout. Et vous avez semblé comment? Empathique. Un peu mou, comme dirait Quartz. Mais pas méchant. Un marchand comme tout le monde. D'accord. Bah, quelle heure il est à peu près? Est-ce qu'il fait nuit? Déjà non, il fait pas nuit. Ah bon? Je te rappelle. Ah merde, oui, c'est vrai. Oh mon dieu. Je te rappelle. Un moment d'égarement. Pardon. Donc du coup, il est dans les environs de 22h et puis Monsieur Quartz et White Beryl qui commencent à se lever. Bon, on va se reposer, on aura de la route pour demain. Un bon voyage. Bonne fin de journée, soirée à vous tous. Vous aussi, vous voyage pour demain. Monsieur Wood, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Pareillement. Et sachez que ma porte vous sera toujours ouverte. Ouais. Si vous repassez dans le coin. Et que je suis là, bien évidemment. Oui, je n'y manquerai pas. Pas du cyanure. Et bonne fin de soirée à vous tous. Bonne fin de soirée. Au revoir. Capte la duc sur le trottoir. Je t'avais laissé le tranquille. J'avoue, meurs, connard. Mais quoi? Mais quoi? Mais que vous croyez? Pour le moment. C'est lui le meurtrier. Du coup, il se met obsidien. C'est pas lui, on falsifiera l'épreuve. Allez, bon. Tu peux te placer, tu peux te mettre plus à l'aise, mon petit. Mon petit. Moi, je me mets à côté de mon père. D'ailleurs, justement, Topaz qui dira « Eh, papa, tu devrais peut-être aller te reposer aussi. » Non, t'inquiète pas. À mon âge, on a encore un petit... On a encore le temps. Mon père, une fois, je me suis couché, il était 10:30. Bonjour, comment j'étais fatigué après. Le papé. Mais. Heredia qui baille plutôt fort. Bah, c'est vrai qu'on a fait longue route. Je pense qu'on devrait aussi terminer de manger et peut-être aller se reposer, non? Ouais. Je vais rentrer, je vais vous préparer quelques... Enfin, les chambres d'amis. Merci. La chambre d'amis. Voilà. Et c'est vrai que... Je vais venir vous aider. Oh bah oui, mon petit, viens donc. Moi aussi. Bon, on vous dites mon petit, même au... C'est une expression de vieux. Les vieux, ils ont tendance à dire mon petit, même à des filles. Donc j'ai cette expression. Moi, je les entends dire ma pute autour de chez moi. Ah oui. Pépé, non. T'as pas entendu. T'as pas entendu. Il s'appelle pas Péco, il a pas entendu. Ou plutôt non, il est comme Péco et il a pas entendu. Oh, Péco. Et du coup, Silver, il se passe le sabot dans la nuque, un peu gêné. Mais qu'est-ce qu'il va leur raconter encore? Tu connais ton grand-père. Oui, justement, c'est pour ça que je m'inquiète. Il va raconter l'histoire de toutes tes conquêtes, j'en suis sûr. C'est fini. du coup, juste du côté du Vioc, il racontera des anecdotes vraiment un petit peu gênantes pour, mais que je n'ai pas en tête. Mais sinon, vous préparez une chambre commune pour tout le monde.
Vous dormirez tous dans la même chambre. Genre Silver qui renverse le bac dans l'âtre, le bac de flotte dans le truc de forge, les trucs du genre quoi. Et on racontera la même anecdote mais avec un énorme rack d'épée. Qui a réveillé du coup absolument tout le monde. Sauf Wood. Sauf Monsieur Wood. On va passer un certain âge. On se réveille beaucoup moins facilement. On devient dur de la feuille. Bah là, c'était... Du côté de Wood, Redia, tout ça... Bon. Je vois que tu te plais, en tout cas, dans ta nouvelle vie. T'as l'air épanoui. J'ai pu voir le monde, après ça veut pas dire que. Je voulais forcer. Que. Je t'apprécie pas ni Graveltan, c'est juste. Je voulais voir le monde. Non mais je comprends. J'étais tellement inquiet que tu l'aies mal pris. N'en parlons plus. Je t'ai trop couvé, fille. Ça y est, on arrive au fils. Même si je préférerais te voir en sécurité à la forge, je peux pas te retenir plus. Je peux pas te retenir indéfiniment. Tu es grand maintenant. Tu n'es plus un enfant. Mais ça, c'est sûr que pour être grand. Ouais. Ah non, faut juste voir s'il est grand partout. Ah! Ah. Bah vas-y, teste, je t'en prie. Sérieusement, Lucky, bordel. Mais bordel, Lucky, mais va voir Osk, ça devient urgent, là. Tu as 20 ans maintenant, je ne peux pas te retenir plus longtemps. Je comprends pourquoi tu t'inquiétais pour moi, mais... Voilà. Sois juste prudent, d'accord. Je ferai attention. Est-ce que Pépé t'a raconté ce que je lui ai marqué dans la lettre? Oui. Et j'ai tendance à devenir enragé quand je prends un coup. J'espère juste que ça va pas se retourner contre moi ou contre les autres. Et vous là, monsieur, il s'adresse un petit peu à toi. Prenez soin de mon fils. Ah ben j'essaye du mieux que je peux. Pour le moment, c'est plutôt lui qui s'occupe de moi. Ça m'étonne pas de lui. Le moment où il faut qu'il bombe le torse. Puis il se lève, bon, je vais payer. C'est le moment, plus ou moins, où vous pouvez vous lever. J'irai rejoindre les autres. Ne bouge plus, je vais copier-coller. Oh, le copier-coller. Alors que je vais gagner, lui il passe, voilà, là, voilà. Il va juste se mettre là, il va fermer la porte après dès que tout le monde rentre. Et la forge, c'est pas trop compliqué, seulement à deux. Bah non, t'en fais pas. Vous rentrez, vous deux? Ouais. Ouais. Non, pas vous deux, vous. Ah, pardon. Redia Ah oui, non, mais je suis con, c'est moi qui dois bouger l'autre. Et oui. Ta-ta-ta-ta-ta. Non, elle est dehors. Voilà. Ah. Elle dormira dehors. Ouais, c'est parti. Suivez-moi.
Je connais encore comment la forge est faite, papa. Merde, j'ai déplacé où ? C'est pas grave, c'est plus rapide. Pendant ce temps-là, en fait, les chambres ont été mises en place. Des lits pour tout le monde, tous dans la même pièce, des petits matelas. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5 matelas. Et pourquoi 5 ? Bah, tu vas pas laisser tes amis tout seuls ! Ah bon ? Bah, sinon, on peut dormir dans ta chambre, hein ? Bah, tiens, justement, oui, tiens, c'est une meilleure idée. Dans le même lit, j'imagine. Les 4 matelas dans la chambre de Silver. La moitié de la chambre est prise par le matelas de Silver. La chambre, elle est plus de la moitié est prise par le matelas. Et voilà. Bon, on va vous laisser vous reposer. Bonne nuit. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Bonne nuit, Pépé. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Papa. Il fait froid quand même. On dirait qu'il n'y a pas de mur. Il va falloir améliorer la map un jour. Ouais, bah, flemme. Mais non, mais un jour. Pas... Oui, mais flemme quand même. C'est toi qui as fait la forge ? Ah non. Non ? T'as vu niveau de détail, c'est pas moi qui ai fait ça. Bah, on sait pas. Bah... Non, genre juste ajouter ça, quoi. Cette partie-là. Bah après, voilà, j'espère que... Oui, voilà. C'était ma famille. Non, ils ont l'air gentils. Oui. Ils le sont. Pépé. Ton père, on dirait ma mère. Ouais. Je connais pas ta mère, mais il est... J'ai dû me fâcher un peu pour qu'il me laisse partir. Au moins, il t'aura laissé partir. Moi, je me suis fâché avec, mais elle m'a pas laissé partir. Et pourquoi ça, d'ailleurs ? Soi-disant parce que je fais partie de la famille Kutia. Et alors ? Et alors, si jamais il y a des gens mal intentionnés, ils pourraient me capturer, prendre en otage, demander des rançons, faire chanter la famille. Ouais, mais il faudrait déjà qu'ils sachent qui tu es. Qui tu es ? Qui tu es ? Ah, qui tu es ? Ok. Mais c'est ce qu'il a dit ! Ouais. Puis, de toute façon, on laissera pas... maintenant, t'es avec nous, on les laissera pas t'attraper. Ouais, j'espère bien. Nous, on va les touer. Ça fout de ma gueule, le vieux. Un petit peu, là. Pardon. C'est pas très gentil, hein. Après tout ce qu'on a vécu, papé. Bon, je suis désolé, c'était trop tentant. Elle s'allonge sur son matelas et puis... Moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Voilà. Bonne nuit. On ferait mieux de dormir parce que si Pépé il nous réveille à l'heure où il se réveille, ben ça va être trop tôt. Ah ben j'ai l'habitude de me lever tôt. Et du coup Silver s'effondre sur son matelas. Donc une rançon pour. Brum. Sur la rue. Brum. Ah, et le journal, évidemment. Oui. On en et le était... journal. Vas-y, montre-nous le passage où on comprend à quel point tu nous as roulé dans la farine avec ton PNJ. Like Mr. Quartz. Mais ouais. Arrêtez. J'attends toujours qu'il y en ait un qui demande... J'entends toujours qu'il y en ait un autre qui demande de lire. Hein, pour... Mais les autres personnages ne sont pas intéressés, tant pis. Les joueurs sont intéressés, mais pas les persos. Bah, le truc, c'est que le perso, il est intéressé, mais c'est la vie privée de monsieur de Woodcutter. Non, plus, pas ce coup-là. Comme il a dit, ça ne le dérange pas trop, il veut juste pas qu'on lise avant lui. Mais il demandera quand t'auras fini, je pense. Ouais, ça va prendre du temps. J'ai rajouté... Pareil. Oh, secours. Oui, j'ai envie de pleurer. Moi aussi.
Mais non! Arrêtez, nous allons tous pleurer sinon. Je maudis Ren et les spectateurs qui l'ont aidé. C'est horrible. C'est à ce point méchant? Oui. Est-ce que... C'est pas méchant, c'est juste... C'est triste. Oui. Est-ce que Wood et Skuller réagissent en lisant ou... Oui, Wood, il aura sûrement peut-être un peu pleuré. Skuller, elle aura vaincu sa honte pour le pat-pat. Elle viendra. Quoi? Calendrier qui ne marche plus. Yes. Tu disais quoi, Lucky? Fizzle, elle ira le voir, ira voir Wood dans ça. Non. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai marre. Je veux plus lire. Bon, je veux plus lire. Ah ouais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça me rend trop triste de voir à quel point j'ai rendu mon fils malheureux. Ah, t'as qu'à lire. Je peux. Le joueur qui saute sur l'occasion. Je peux. Non. Bah, il fera lire ce passage-là, donc je vais le copier-coller et lui envoyer. Ok. Voilà. Sinon, il peut tout lire. Bonne nuit, Miss. Bonne nuit, Miss. Bonne nuit. Bon courage. Ouais. Le MJ, il est méchant. On est là, faire une fausse couche. Faudra pas se demander pourquoi. Pas de menace inter-JDR, please. Mais c'était juste une seule. Tu sais, une seule. Pour ce soir. Ouais, pour ce soir, ouais. Non, parce que ce matin, durant ta session... Oh, Ferdilmer, hein. S'il vous plaît. Pardon. Concentration. Focus. Elle ira, finalement, et puis... elle fera un gros câlin. Elle fera un gros câlin. Il rend le câlin. Skuller aussi lui fait un câlin. Et puis, tiens, est-ce que je peux faire un jet d'âme, jeu? Pour que faire? Bah, pour savoir si ma perso va craquer ou pas. C'est toi qui vois, ça, c'est... Ouais, bah, je préfère te demander, vu que hier, tu m'as engueulé. Ouais, mais ça, c'est des... C'est des réactions de personnages, donc c'est... Elle ne craque pas. Ok, c'est-à-dire. Vous voulez dire quelque chose, Skuller? Bah non, vous saurez pas, là, elle est imperturbable. Hein. Elle essaie juste d'être réconfortante avec Monsieur Wood. Je sais pas trop quoi dire. Bah, y'a rien à dire. Voilà, La gueule! Elle est trop mignonne. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas la même notion de mignon. Hein. Bah, je suis désolée, mais Ruru il ronfle et moi je trouve ça mignon. Oh. Ça m'endort. Et puis au moins tu me fais pas chier quand tu ronfles. Moi le seul truc que j'ai de quelqu'un qui ronfle, c'est mon papy, mais quand il ronfle, on l'entend deux pièces à côté. Ah, mais Ruru aussi. Silver, il va pointer la tête par-dessus son matelas en mode mais qu'est-ce qui se passe? On rassure Monsieur Wood. On le réconforte. Viens faire le câlin. Viens dans le câlin rituel. Du soir. Il se laisse littéralement tomber de son matelas et fait... Une petite larve. Et il fait un câlin. Il rampe comme ça. Mais il se laisse juste glisser du matelas, en fait. Non, peut-être pas à ce point-là, mais genre, il se laisse glisser du matelas. Enfin, genre, il est à moitié sur le matelas, toujours en donnant... Je
Ça arrive. Hein. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est raison de plus. Raison de plus pour retourner à Rollertz. Retourner chez vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour voir comment ils vont. Alors, t'as un peu foiré le lien, Golden. Ouais, c'est pas grave. Du coup, c'est un plan pour qu'on clique dessus et qu'on ait des nouvelles recommandations sur des oiseaux qui tournent autour d'un bol. Silver, il va insister, il va dire, mais du coup, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai pas tout compris. J'ai pas aimé ce que j'ai eu, voilà. C'est si triste que ça. C'est une association, c'est une combinaison. Et du coup, Silver, tu vois qu'il est un peu curieux, mais il n'ose pas pousser. Oh, mais t'as qu'à lire toi aussi. Yes. C'est la vie privée de Monsieur Wood, je voudrais pas... Et alors, moi, il a lit. Il a dit oui. Pourquoi il dirait non à vous deux? Bah, t'as connu son fils, toi. Pas moi. C'est juste que... Il y a des fois, quand je lis, ça me remonte le moral et je me dis que c'est d'être un peu proche de lui, tout ça. Après, qu'on soit plus vieux. Mais il y a des passages comme celui-ci d'aujourd'hui où ça me rappelle que pendant 20 ans, je l'ai renié. Et Silver, durant la conversation du soir, tu aurais pu apprendre que Karing était passé à la forge à un moment quand tu étais tout petit. Enfin, tu étais assez jeune. Oui, mais du coup, je ne l'ai pas connu vraiment. Non, mais tu as pu l'avoir croisé. Mais il a quel âge, Silver? 20 ans? 20 ans, ouais. C'est pas possible. Si? Bah non. Il devait avoir quoi Mais Karing, il a mon âge. Ouais, non, mais il a 4 ans d'écart avec Silver. Oui, mais il a 20 ans. Ça a commencé quand il avait 10-11 ans. Il l'a vu. Mais c'est pas possible. Bah si. Il est parti à 15 ans de sa maison. 14-15 ans, il est parti. Mm-hmm. Ah, quand Silver avait 11 ans. Oui. Oui. Bah, il était pas tout petit alors. Oui, mais il était petit. Ouf. Il était plus petit. Il était tout petit. Parce qu'il était très petit en taille. Oui, non, mais d'accord. Mais moi, quand vous dites il était tout petit, je vois un gosse de 2 ans. Bon. Oui, 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 mais non. Du coup, j'étais en mode quoi? Ça va pas être possible, baby lol. Mais du coup, ouais, ce serait l'occasion. Bah, du coup, si Monsieur Wood me laisse lire, je lirai. Je t'en prie, tiens, je te l'envoie. Est-ce que tant qu'à faire, je vous mets le journal pour tout le monde? Non, juste le passage. Ah, juste le passage. Pourquoi? Bah, parce que il a voulu montrer pourquoi il était triste. Ouais, mais ce coup-là. Ils n'ont pas demandé de lire la suite. Oh là. Il proposera. Silver, il est quand même curieux de tout le truc, mais il insiste pas trop parce que vu que c'est voilà, ouais. C'est personnel. Ah mon Dieu, oui effectivement. Limite, vous pouvez mettre le passage au spectateur, même s'ils ont tout le PDF. Eux. Quel monstre. Pas tout le PDF, tout le GDoc. Ils se démerdent.
toute façon, Oscar, il peut le voir sur mon stream. Est-ce que ça vous dérangeait que de temps en temps on le lise aussi? Non, oui. Si vous voulez, j'ai dit à ce coup-là qu'elle pouvait. Alors pourquoi pas, mais vous allez pas plus loin que moi. J'ai un marque-page. D'accord. J'ai des yeux dans votre dos, je vous surveille. Dans ce cas-là, Lucky, je vais te mettre le journal. Parce que je vais pas te mettre passage par passage, je vais vraiment te mettre tout jusqu'à là où ils en sont. Ok. Là, je lirai de temps en temps. Ce serait bien. Je pense pas que je suivrai le même rythme au début. Sinon, quand vous arrivez à jouiller en lançant 5, vous n'êtes pas obligé de lire. Je vous conseille de sauter ce passage. C'est bon, vous allez sûrement très bien oublier. Choisi. Hein ? Sauter, c'était très bien choisi comme mot. T'inquiète. Il n'y a pas eu de sautage. Il n'y a pas eu de sautage. Et après, on dit que c'est moi qui fait les blagues. Qui fait les blagues limites. Lisons le journal. Je pense que vous allez pas tout lire d'une traite. Oh. Enfin, les joueurs, oui, mais les personnages, non. Ah non, il est tard, donc... Pas de suite, mais Fizzle pourra prendre le bouquin pour lire. Voilà. Pleurez avec moi. Et hurlez de votre haine du MJ sadique. Et de Monsieur Quartz. Le journal pendant une après-midi. Et de Monsieur Quartz. Pardon, il est où le journal? Dans lettres et journal. Et il a pas... Tu le veux, tu veux toi aussi? Oui, je veux lire le tout. Je veux lire le tout. Vu que et Monsieur Wood dit l'autorise. Tout le monde là, donc du coup je vais le mettre dans All Player. Waouh! Ah! Enfin, on a accès à ce journal. Oh, ça! Viens, c'est un moi, journal et diamant, des lettres. D'innocent. Non, mais ouais. C'est un journal et des lettres, par contre. Grâce à ma fidèle fourche. Ah, mais moi je vais pas commencer à lire tout de suite. Je lirai dans mes horaires perdus. Et. Bah, du coup, bon. C'est pas tout, mais moi je pense que je vais me recoucher. Si vous avez besoin, ouais. Quand même, on est toujours là. Oui, je sais. Bref. Mais putain, mais on m'entend pas le rond. Le re. On ira dormir et moi je reviens. Je vais éternuer en plus. Dodo. Pardon. Doudou. J'ai pas eu le temps de me mute. C'est quand même Karin Wood. Enfin, pas Karin Wood. Woodcutter, il est bien entouré. Merci beaucoup. Si j'étais parti tout seul, je pense qu'au bout d'un moment, je serais mort au moins 20 fois. Et j'aurais personne pour m'aider à surmonter ces mauvais moments. Ah, pourquoi pas? Effectivement, il m'a croisé. Golden, il y a Loupi qui me fait dire que je vais manger un éclair. C'est pas gentil. Tu vas manger un éclair? Oui. D'accord. Un éclair au chocolat? Ouais. C'est pas gentil. Pourquoi? J'ai envie d'un éclair. Hein? C'est ma pâtisserie préférée. Ils sont gros. Ah oui, ils sont énormes. Comme celui de Hearth. Petit mais puissant. Vous avez senti bête, c'est ça? Mais les éclairs, ce qui est important, c'est la pâte et le chocolat. La crème à l'intérieur, finalement, c'est juste des crèmes pâtissières. C'est dur de faire à ton gorge profond avec. Il essaye, après on va en prendre. Attends, je peux mettre que 5 cm dedans, tant c'est large. Amateur. Bah ouais, bah t'as qu'à faire mieux toi, vas-y. Vas-y, sus. Mais t'as un éclair toi. Vas-y. Oh. Oh là. Oh la vache. Elle a mis la moitié et j'ai pas mis autant. Suceuse.
Je rappelle, ça va et sur YouTube que après. Que t'es pas mieux sur YouTube. Hein. Abonnez-vous, mettez la cloche. Janvier 101. T'étais en train de me dire, je rappelle, c'est sur YouTube. Ah ouais, je m'en fous, Abonnez-vous, c'est trop bien. Bon, moi je dirais une prochaine fois. Une pensée à Miss qui va entendre ça après. On entend le dérapage d'ici. C'est quoi ce rire? C'est Lucky qui fait un hommage à Miss, mais à l'intérieur. Ah! C'est ça. Je fais un hommage à Miss. D'accord. Qui, quand elle va réécouter le. Qui, quand elle va écouter le l'épisode. Elle va entendre ce que Ryan a dit. Qu'est-ce par qu'il a dit par rapport à ta capacité de prendre un éclair. Ah oui, mais j'étais pas à fond là, je me suis pas appliquée. Ah, je vais me mordre. L'éclair. Je mords les lèvres. C'est l'éclair qui t'a mordu. T'as essayé de mettre plus de 5 cm, Ren. Cochonne. Mais c'est quoi tous les jets que tu nous fais là? On est fait. Là, il y avait une bombe sous le plancher, il fait les dés de dégâts. Ouais. Il se venge pour la session avec Snow. Je pense qu'on est mort vu le nombre de fois où il les relance. Ouais. Note à tous les MJ autour de cette table, dans Savage Joueur, si vous avez un joueur qui est un peu trop fort pour vos monstres, lancez-lui une grenade. C'est noté. Note OMJ aussi, si vous avez des ennemis avec des armes, des fusils et autres, pensez à faire en sorte que les fusils soient détruits après que les PJ ont buté les ennemis. Parce que sinon, les PJ vont très souvent aller looter, s'ils y pensent, ils vont aller looter les ennemis. Mmh. Donc si vous les avez attaqués avec des fusils à pompe, des lance-flammes et ce genre de choses... Ah bah, vous avez qu'à pas mettre de fusils. C'est trop long. C'est le qui, quoi. Mais comme l'éclair qui essaie de rentrer dans ta bouche, Ren. Ta gueule. Oh. Donc, note, ne laissez pas de loot. Voilà. Okay. Bon, du coup, vous allez vous coucher le lendemain. Ok, lendemain. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, le lendemain, vous vous réveillerez, le grand-père qui aura sonné une petite cloche pour le réveil. Ding, 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 ding. Il vous aurait préparé un petit déj pour vous, mais ils seront déjà partis au boulot, le grand-père et le père. Mais un petit déj est déjà prêt pour vous. Oh, c'est gentil. C'est vraiment gentil. Vous entendez déjà les battements du marteau contre l'enclume. Ch'ting, ch'ting, ch'ting tôt le matin, voilà. Les effets sonores. Machinalement, Silver, il va manger vite. Il va manger vite et il va faire comme s'il allait partir travailler. Silver, calme-toi. Hein? Calme. Calme-toi. Ah, calme-toi, pas calme-toi. Aïe, aïe, aïe. T'as calme-toi. Aïe, aïe, aïe. Juste le temps du petit-déj, je vais aux toilettes. Ouh, ah. Ouh, il... Ah. Bing, bang, balabou, bing. Ah, d'accord. Ah, putain, mais Gals, toi, t'as déjà tout lu, en fait. Oui. Ah bah, bravo. T'as lu Juillet? Je suis en train... Effectivement, il y a des détails scabreux. C'est honteux. C'est à un moment donné, on dirait voir Silver. Silver, ça va, t'es tout... encore plus rouge. Compreniez-vous donc la fuite de ce coup-là? Mmh.
Oh là là. C'est donc comme ça qu'on fait les bébés. Non, c'est pas comme ça. Je ne crois pas que c'est comme ça. Non, moi j'ai pas du tout lu. Je lirai en même temps que Fizzle de lire. Bah du coup Fizzle va se lever, va prendre tranquillement son petit déj. Ce coup là aussi. Et Fizzle sortira son carnet de notes et prendra une feuille vide et commencera à dessiner un peu, à faire des notes. Et pour ceux qui regardent sur son carnet de notes, ça serait les mêmes boucliers qu'elle a vu la veille, donc les boucliers du magasin, mais avec un cristal inséré et des notes sur comment faire fonctionner le truc. Non mais c'est pas possible. Des croquis, ce genre de choses. Si tu veux, Fizzle, je pourrais t'aider à fabriquer le bouclier. Je sais pas du tout comment je me prendrais. C'est qu'une idée, hein. Quand tu l'auras maîtrisé, après bon, moi je serais pas capable de faire plus que qu'insérer la gemme sans que ça abîme l'intégrité du bouclier, mais sinon je pourrais le faire. Après j'y connais rien en forge, hein. Enfin, je sais que c'est gentil de proposer, mais je sais pas encore. Faudrait que tu m'apprennes histoire que je sache exactement. Après ce que tu peux faire avec quelque chose comme ça, c'est sortir la gemme. Comme ça ton bouclier reste solide et t'as la gemme qui est par dessus, comme tu montres. C'est comme insérer une gemme à la base d'une arme, enfin c'est un peu plus grand, quoi. Moi je pensais le mettre à l'intérieur, histoire de pas l'exposer au coup. Le problème c'est que si tu le mets à l'intérieur, ça va pas bloquer la sortie de ton sort. Il faut pas que ton cristal soit à l'extérieur pour que le sort puisse sortir. J'imagine que ça doit dépendre des sorts. Et on peut sortir le cristal et mettre des et faire et il va se mettre à dessiner un peu par-dessus. Il va se mettre à dessiner comme des espèces de petites anses de métal, en fait, qui passent par-dessus le cristal et qui ferait que si jamais il y a un coup qui est passé, il va pas directement sur le cristal, mais c'est dévié vers le reste du bouclier. Comme ça, ça évite que le cristal il soit abîmé et puis il est quand même à l'air libre, entre guillemets. Ça pourrait peut-être marcher. Il faudra que je vois un peu plus comment ça pourrait marcher. Ah bon, voilà, si t'as besoin d'un bouclier ou d'un truc comme ça, tu me dis. Merci. J'ai réfléchi. Mais ça m'y fait penser tout ça, toutes ces armes, toutes ces armures. Bon. Et du coup, on fait quoi? Maya sait pas. Bah, on devait.
Je sais pas si tu veux rester un peu plus longtemps ici, mais enfin, faudrait quand même qu'on continue, qu'on aille à, qu'on rentre, qu'on aille à Cantorlos. Mmh, mmh. Et... Enfin, on pourra toujours revenir une autre fois. Hein. Et d'ailleurs. On va remplir une bouteille d'eau, je crois. Continuer. D'accord. Ouais, mais non, j'allais faire une interaction avec Redia. Après. Oui, oui, j'attends. Ma va peut-être pas rester dans la chambre toute la matinée. Non, là, vous êtes dans le salon pour manger. Ouais. Bah, en fait, est-ce que maintenant, ce coup-là, elle essaye moins de se cacher tout le temps de Karine? De Woodcutter. De Wood. Oui, un peu, mais bon. Et du coup, il va lui demander parce qu'il a parlé qu'il avait envie de, tu as lu, de t'envoyer des lettres, mais il t'en a envoyé finalement. Oh là là là. Bah oui, il va demander. Non, il n'en a pas envoyé. Vous avez eu une correspondance ou quoi? Vous êtes revus? Elle baisse un peu les oreilles. Elle a l'air triste. Il est rien reçu. Tu crois que c'est parce que finalement il les a pas envoyés? Parce que on n'est pas loin après qu'il ait dit ça. Tu crois que c'est parce qu'il a pas pu les envoyer ou que tu les as pas reçus parce que ça n'envoie pas là-bas? Je sais pas. Et vous êtes jamais revu du coup? Non. Elle baisse encore plus les oreilles. Mais pas sur le côté pour. Enfin, pas vers l'arrière pour dire qu'elle est en colère, mais plus sur le côté parce qu'elle est triste. Ouais, il n'a pas de pattes. Petit câlin, tu vois. T'aurais pu être ma belle-fille. Non, il va pas dire comme ça alors qu'il est mort. Et ben, elle lui fait un gros câlin, voilà. Mais il parlait de danse, vous dansiez pourquoi à ce moment-là? Oh, c'était les danses de mon village. Ils sont venus pendant les fêtes. Et c'était quel genre de fête? Eh ben, c'est des fêtes où on danse et on chante en l'honneur de la Luz de la Muerte et ça dure toute une semaine. C'est dans les fêtes aussi de partager le lit. Non, mais... Dis pas ça. Mais il demande un petit peu légèrement amusé et ton père finalement il vous avait chopé, il a rien dit ou il a été au courant? Tu sais, j'ai eu 7 enfants, hein. J'en ai eu des situations où j'ai dû faire genre je voyais rien. Bah panique. Ah là là, on m'appelle, je vais y aller. Allez, jeune. Je vais aller apprendre à forger, moi. Profites-en pour réfléchir à la réponse. Mais qu'est-ce que j'ai pas compris. Tu verras quand tu seras en juillet. Hey, Silver, il n'y est pas encore. Le joueur y est, lui, pas. Non, mais il a dit tu verras quand tu seras en juillet. Ah, donc votre. Vous faire avancer un petit peu quand même. Ouais. Je vais juste dire à. J'allais dire Redberry, mais non, du coup, c'est Redia. Je vais juste, tant qu'on est encore en train de manger, dire à. Mettre une feuille vide et de quoi écrire à Redia et en lui disant. Commence déjà à rédiger ta lettre, on la postera quand on pourra. D'accord. Bon, elle aurait fait ça pendant le petit déj. J'aurais fait ça aussi, enfin je l'aurais dit. Je vous avance un petit peu la chose. Où il y aura quand même au bout d'un moment le au revoir. En fait, où est-ce que vous allez partir? Je suis débile.
Bah, on va partir vers Canterlot. Canterlot. Donc, le papé te fera un gros câlin, fera un câlin un petit peu à tout le monde. Et le padré, lui, fera aussi un petit câlin quand même à son fils, en lui disant d'être prudent. Wow. T'inquiète, papa, je ferai attention. Et intérêt. Je vais voir le papé et mode câlin d'ours. Voilà. Un ours, ah. Ah, un ours à major. Prends soin de toi, Pépé. Toujours, toujours. Jusqu'à la mort. Et puis, n'hésitez pas à envoyer une lettre à la guilde à Wimborn, hein, si besoin. Pas de problème. Je voulais pas dire Stalingrad. Oui, à Stalingrad. Oui, pas de problème. Merci en tout cas de cet accueil et de... Merci pour votre hospitalité. Et merci pour les dossiers, elle va dire au grand-père à tous les coups. Ah non, non. Elle les ressortira quand il faudra, t'inquiète. Oh non. Problème de map. Donc, vous vous dirigez tôt le matin jusqu'à Canterlot. Techniquement, c'est 2 jours de marche, mais si vous rushez bien, vous pouvez y aller en une journée. Je pense pas qu'on se pressera, enfin, on marchera à allure normale. Sachant qu'on aura déjà posé la lettre de Redia. Mis à part si elle ne l'a pas fini d'écrire et que du coup il faudra aller la poster à Canton. Non, elle l'aura postée. Ok. Mais vous commencez votre chemin. Petite route paisible sous un soleil battant, frappant très fort. Pour un mois d'avril, hein, c'est très chaleureux. Mais très rapidement, une petite ombre commence à cacher doucement le soleil. Mais bah c'est pas des nuages. La lune. En fait, le soleil, ça. What the fuck. Nous sommes donc morts. Attends, il y a quelqu'un qui met un immense point noir sur le terrain. Oh là, elle est tellement forte, elle s'est mise entre la lune et le soleil. Non, c'est juste que ça cache, ta gueule. Oui. Tu gâches tout, Golden, ferme-la. Tu gâches tout. Mettez-vous, monsieur. Ne gâchez pas. Je vous demande pas spécialement de jet de perception, puisque ça commence à se voir. Non. Parce qu'en fait, vous voyez Nightmare Moon, enfin Luna. Enfin, vous connaissez son nom, Nightmare Moon, ça a été dit par... Par les autres, bouger la lune pour la mettre devant le soleil. Mais d'un autre côté, vous voyez effectivement Daybreaker. Oh. Il bouge et le soleil. À terre. Vous sentez que ça va commencer à puer. Et je vais revisiter un petit peu les règles de poursuite pour ce passage-là. Bah, c'est nous qui allons fuir. Hein, vas-y. C'est nous qui allons fuir, je pense. Oui. Non, mais elles sont en l'air, elles vont pas nous toucher. Alors oui, mais il va falloir fuir la zone. Ouais. Et c'est où la zone? Bah justement, ça va être assez abstrait avec des cartes. C'est la Terre. Non, mais on est près de Gravelton? Non, vous êtes bien plus loin maintenant, vous êtes vraiment dans une cambrousse. Ouf. C'est les petits lapins et eux. C'est les petits lapins qui vont mourir. Non, ça va.
Mais moi, j'ai envie de leur dire « Calmez-vous !» Ouvrons le panier de cartes et, yes. les fiches qui expliquent comment ça fonctionne, la poursuite. On a des derniers carrés si besoin. Basiquement, faut se mettre à... Enfin, à... dans les règles normales, faut se mettre à 4 cases 2. Donc, techniquement, elles vont pas nous poursuivre, nous. Non, mais leur sort, oui. Non, mais elles vont vouloir aller l'une à l'autre. Et on est un peu dans la zone entre. Non, en fait, elles vont pas bouger de la zone, en fait, ici. C'est juste que tant qu'elles sont là, va falloir être à 4 cases de différence d'elles. Pour pouvoir fuir. C'est-à-dire... Eh bien, on est à 4, là. Soit atteindre le 5 de carreau, soit atteindre le 4 de pique. Oh non, avec une musique de Doom. À l'aide ! Et on peut pas essayer de les raisonner. Elles sont trop loin, là, je crois. Voilà, elles sont en hauteur, loin, et c'est surtout qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'explosions dans le coin. Ah bah c'est Winter qui serait aller... content. Écoute, on va s'imaginer un truc. Elles ont écouté ce qu'on leur a dit, elles se battent à un endroit où il n'y a personne, sauf nous. Oups. Oh. Donc, au rappel des options, une action, vous pouvez utiliser une action pour fuir d'un côté ou d'un autre. Et que je réouvre. Ah bah tiens. Bon, j'ai mon GM screen, normalement il y a ça dessus, normalement, est-ce qu'il y a de ça dessus? Sachant que moi, si jamais il y en a qui peuvent pas courir, je les chope et je les mets sur mon dos, direct. Non, il y a pas de ça. J'ouvre le portail. Comment il est ouvert? Alors, les poursuites... Je sens que je vais être chiant, mais sachant que les combats ils durent très longtemps. Ça dure moins longtemps les poursuites. Ouais, parce que je travaille tôt demain matin. J'ai peur qu'on fasse dans la poursuite pendant 2 heures. T'inquiète pas, moi aussi, hein. 7h30, mais c'est pas grave. Enfin, les gars, on va pas arrêter juste là. Bah non. Le climax, le cliffhanger. Non, bah, non. Gueule, le cliffhanger. Non. Le cliffhanger, ce sera après ça, je pense. Du coup, pour l'instant, Redia va juste passer, enfin retenir son tour pour savoir où est-ce que vous allez aller. Bah, du coup, je sais pas, en fait. Est-ce qu'on va du côté de Nightmare Moon ? Nightmare Moon, ça s'est mieux passé avec elle. Ouais, allez, Nightmare Moon, dans cette direction. Non, mais en fait, si on va du côté de Nightmare Moon, ça veut dire qu'on se prend les sorts de Daybreaker. Pas oui, forcément, vous pouvez vous prendre les deux. Non, mais on s'en fout. L'important, c'est de fuir. On s'en fout de la direction. Exactement. Mais moi, je pars dans cette direction. Abstrait, de toute façon. Ouais. Que d'ailleurs... Je pars par là. Ouais. Ok, il me semble que c'est déjà d'athlétisme si vous voulez bouger d'un coin à... Ah, yes ! L'athlétisme. J'ai de manœuvre, ouais. C'est l'athlétisme. Et il n'y a pas un truc, genre, si on tire des trèfles, c'est de la merde ? Non, c'est si on est sur un trèfle. Et vous êtes sur une carte de trèfle où ça peut... Si vous tombez sur des trèfles et des carreaux, vous avez moins 2 sur vos jets. Ah. Bon. Moi, là, je vous dis adieu. Par contre, les cartes noires, c'est les échecs qui sont considérés comme des échecs critiques sur les jets de manœuvre. Après, généralement, les jets de manœuvre, c'est plus pour des véhicules. Je suis juste en train de revoir les règles. Changer de position, action ou action gratuite. Ah, t'as les stabas, s'il te plaît. Un personnage ou un conducteur peut changer de position avec un jet de manœuvre en action gratuite. Il se déplace d'une carte en poursuivant. Il se déplace de 2 cartes en cas de succès. Il peut aussi consacrer une action pour faire la manœuvre. Donc plus 2 si tu veux faire que la manœuvre. Bah, je vais faire que la manœuvre, oui. Je vais pas essayer de faire autre chose. Du coup, par contre, j'ai une question. La carte d'action, c'est la carte sur laquelle on est posé ou c'est la carte qu'on reçoit? La carte d'action. Parce que je vois quelque chose d'inverse se passe quand la carte d'action d'une unité est un trèfle. Non, c'est la carte sur laquelle vous êtes. Je pense. Non, la carte d'action déclenche une complication. La carte de poursuite en détermine le modificateur. Ah. Donc la carte d'action, c'est notre carte à nous. Ah, d'accord. À
Ok. Piquer un... Si tu, par exemple, exemple à ce coup-là qui a piqué un trèfle, elle est posée sur un pic, ça voudrait dire qu'elle a le traité comme un échec critique ou jet de manœuvre. Ouais, mais c'est ça, oui. Bon, va falloir faire une... Ok. Et du coup, moi, j'arrive là. Une carte, c'est ça ? C'est... Oui, c'est ça. Carte. Fizzle. Fizzle, bah Fizzle, elle va courir. Elle va juste courir, elle va se barrer. Pardon, là. Je mets ma fiche. Tac, et c'est donc de l'athlétisme. Et plus 2 si tu te concentres que sur la manœuvre. Oui, je me concentre que sur la manœuvre, oui, pardon. Tu peux te déplacer d'une case. Pire, bah, Redia, t'es là. Je peux pas se déplacer de 2. C'est pas une 2. C'est pas quand t'as une relance ? Ah, 2, ouais, non, 2 en 4 prouesses, my bad. Nous sommes morts. Mais non, pas encore. C'est tout. Tout ce que je fais. C'est l'occasion de vous débarrasser du vieux. Ready à vous. Hop. Coup la mort. Ah, c'est nul. je vais. Pas grave. Je voulais partir dans l'autre sens, moi, pour scinder le groupe en deux et faire chier les MJ. Mais j'ai réussi quand même. Bah, je me focus sur courir, moi. Ok, donc j'ai l'athlétisme à plus 2. J'ai pas des malus vu que pique, trèfle, machin. Non. Juste qu'en cas d'échec, bah, il peut y avoir une petite bricole. Okay. Mais bon, avec un plus 2, il y a très peu de chances qu'il y ait d'échec. Donc tu peux te déplacer d'une case. J'ai vraiment envie d'aller par là. Ah bah tu fais ce que tu veux. Bah tu vas où tu veux. C'est la lourse qui te guide. Ah oui, c'est vrai. On va plutôt me guider vers la lumière du coup. Oui. Mais c'est pas vrai. Bah, ah, visuellement, bah, on part tous dans la même direction, j'imagine. C'est plus ou moins ça, oui. Ah, bah, ça sur les cartes. Rien, alors. Ça change sur les cartes. Ça changera rien. Ça change juste le chemin que vous empruntez. En gros, tu vas juste t'éloigner un petit peu du groupe, mais vous vous retrouverez au bout d'un moment, quoi. Oh bah, ça sert à rien, alors c'est nul. Je vais rester là. Bah, ça veut dire que si tu te prends un coup, on te verra au loin, te faire exploser en un petit absent. Merde, j'ai passé le coup de wood, du coup. Wood. Ah bah, je reste sur place, du coup, j'imagine. Non, vas-y, fais ton jet. J'ai deux. Fais ton jeu. Athlétisme, plus 2 si tu te concentres que sur ça, tu vois. Y'a pas grand-chose. Ouais... On va faire ça. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas un moins 1, il me semble, de base. Donc, je peux concentrer que sur ça. Non. 9. Tu peux te déplacer de 2 cases. Mais le pépé, il va nous tracer. Blah, pardon, ce coup-là. Dans un cartoon, j'ai les jambes qui se transforment en roues. C'est ça. Okay. Bugs Bunny. Donc ça va être autour des deux princesses qui vont se fight de ouf. Plusieurs lasers, plusieurs explosions, un combat épique en mouton. Précédent. C'est vraiment des explosions très très impressionnantes et qui effectivement font des ravages gigantesques. Et je vais vous demander à tous des jets d'athlétisme. Yes. Pour essayer d'esquiver au plus possible, sachant que sur la carte où vous vous trouvez, vous allez avoir des malus ou des bonus en conséquence. Wood, tu n'auras pas de malus puisque tu es sur un cœur. Les quatre autres, vous êtes sur un trèfle, vous avez moins 2. Okay. Yes, j'ai moins 4 sur un D4. Un D6. Je relance. Enfin, je vais attendre que tout le monde ait fait son jeu. J'ai 0. Quoi? Là qui surfe sur un rayon là. Je relance. 1, 2, et ensuite j'enlève mon béni.
D4. N'oublions pas nos cartes aventure si jamais il y en a un qui pourrait... Mais ça sert à rien. Bah, moi j'en ai une qui pourrait peut-être sauver notre coéquipier. Ah merde, ça, c'est vrai, je dois faire des jets pour elle aussi. Elle a réussi tout avec... Il y a plus 2 en parade et résistance, donc... Un peu sauvé. Ça va, ouais. Allez, moi j'ai fait 0. Assez golden, ok. Mais vous pouvez relancer. Moi j'ai relancé. Ouais, oui. J'ai relancé. Moi, je garde mon béni pour l'instant en fait. Mais t'en as 3. Ouais, mais il a quand même moins 4 sur son jet avec un D4, donc... Ouais, ouais. Avec un D6, donc... maximum donc, que je peux avoir, c'est 2, donc... Tout le monde a réussi sauf Wood et... Bah non, j'ai réussi, j'ai relancé, non, j'ai fait 4. Réussi. Ah oui, t'as fait 4. Sauf Silver. Silver. Donc. Alors, 8. 13 dégâts. Ah ! Je prends une grosse... une grosse déflagration d'explosion. Sachant que j'ai 7 de résistance, ça me fait... un soutenir. 13, 7, 7, 13 moins 7, ça fait... 6. 6, ça fait une blessure et secouée. Yes. Tu me tires sur la table des blessures, du coup, sauf si tu veux encaisser avec un béni. Je peux pas lancer un jet pour encaisser. Bah, si, c'est, si, un, c'est un béni. C'est... Ah, bah, oui. Tu lances le jet en utilisant un béni. Allez, hop. Tu encaisseras la blessure, tu ne seras pas secoué. Bah. Oh bordel. Silver, ça va. Vas-y, cours. T'es trop jeune pour mourir, Gamma. Utilise tes guibles. Dis le vieux au loin. Oui, ah justement. Bon, le truc, c'est que bah y a aussi... Être marmoune. Ouais. Pareil, jeu d'athlétisme. Vous voyez, je le sens mal. Toujours à 1-2. Pourquoi t'as dit ça? Oh non. Non mais parce que moi j'ai moins 4. Relance. Après tu peux toujours relancer, n'oublie pas. Ouais, non, c'est juste qu'il y aura une complication en plus. Même problème, c'est que si j'ai une complication en plus... Vous le sentez, Silver, qui va mourir? Tu relances Golden. C'est juste que si je relance et que plus tard je suis blessé et que j'ai la conséquence. Tandis que là, imaginons le fumble me fait pas grand chose. Je demande la vie au dé, prête-moi. Ouais, je relance. Ok. C'est mieux. Du coup, ce qui se passera, c'est que tu te seras légèrement quand même tordu la cheville. Ça sera pas une blessure que tu auras, ça sera un bleu boss. Un bleu boss. En gros, tu auras été, enfin, tu auras un point de fatigue, en gros. En esquivant une explosion, tu as dégringolé dans un petit fossé. Tu as pris quelques petits bleus par-ci par-là et tu te sens pas très très bien. Mais ça va. Ouais, cataracte. Silver. Prêt pour les dégâts? Putain de ta mère. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, ça, c'est une blessure en plus aussi. Le meilleur. De quoi? Bah non, j'encaisse. Oui, bah fais un jet de vigueur. Ok, c'est bon, tu encaisses. Yeah. Retour. Yes. Ah non. Fizzle. Fizzle. Oh ben. C'est ça. Eh ben, vous pouvez dire. Avant, d'ailleurs, en courant. Fizzle, elle va activer son cristal d'abord. Elle va se transformer en chat. Elle va vouloir se transformer en chat.
Ok. Je pense que je vais juste les faire aussi s'avancer d'une case l'une de l'autre. Ça vous fera une meilleure. Alors, change pas ton token. Hein. Oui. Top. Hop là. Je me mets les stats du chat à côté. Miaou. Voilà, parti. Et ensuite, je fais mon jet d'athlétisme à. Et du coup, je me prends le dé d'athlétisme du chat. Tac. Que je lance du coup à moins 2. Ouais, parce que trèfle. Oh putain! Ça fait du bien d'être un chat. Non. Bah écoute, tu peux te déplacer de 2 cases. Pas plus. Écoute, je fais ça. Un peu plus. Silver. Allez, le jet d'athlétisme à moins 2. Ah bah non, vu que je me focus que sur ça. Ouais, mais moins 2 parce que c'est sur une case trèfle. Oui, mais moins 2 plus 2. Oui, mais oui, moins 2 quand même. Oui, mais moins 2 avec son lourdeau. Cela dit, je vais pas prendre en compte les trèfles, mais juste un plus 2. Enfin, mais juste le plus 2 normal. Je vais pas. Vous aurez déjà suffisamment de malus si vous êtes sur les trèfles avec les jets des princesses. Du coup, est-ce que je relance? Vas-y, je t'offre la relance. D'accord. Non, parce que Silver, bon, il est quasiment certain de mourir. Allez, donc juste 0 du coup. Yes! Merci le jeu! Alors. Tu veux pas relancer? Alors j'ai qu'un seul truc et j'ai un peu peur de ce qui va se passer au niveau des sorts. Oh mais je vous l'ai dit, hein, Silver il va mourir. Vous pourrez le ramener chez son papa. C'est pas loin. Seulement je jouais avant. Donc du coup Silver, dans la panique et le feu de l'action, tu auras paniqué un petit peu. Ah mon dieu, ah où est-ce que je vais, etc. Dans la panique, tu as reculé. Yes. On a dit d'aller au nord. Le nord, c'est là-bas. Je suis toujours au milieu des deux. Adieu les gens. Donc. Ah, si je prends une blessure, je passe en enragé et je commence à leur hurler dessus. Il frappe dans l'air. Et comme une grenouille enragée. Quitte à mourir, autant le mourir avec un peu de dignité en leur hurlant dessus, quoi. Je suis pas sûr que ce soit tradé. Bon, mais... bah, du coup, tout le monde, un jet de. Athlétisme. Un jet de. Athlétisme. Allez. Là, vous allez vous reprendre des. Un jet d'athlétisme à moins de. Moi, je relance. Moi je fais un jet d'athlétisme. Oh! À moins ça à cause de ma fatigue. Oh, pour une fois qu'il fonctionne ce jet. Je ne mourrai pas face à Luna. À Nightmare Moon. Ok. Donc déjà. Putain, elle joue toutes les deux en plus. Le jeu veut qu'on meure, je crois. Ouais, c'est parce qu'il a préparé des rerolls. Moi, je rerolle pas. Je suis quelqu'un d'attaché à ces persos. Et Redia, elle est comment? Elle vient de se prendre justement une blessure, là. Ah. Après, on a le dernier carré. Qui d'autre? Moi. Cool, là. 6, 9, 10. Bah, ouais, ça pique. D'ailleurs, pour Redia, une patte, wouh! Comment c'est une patte? Elle est blessée à la patte. Oui, Golden, quand tout le monde sera quasiment à terre, il lance éraflure et tout le monde se relève. Non, ça marche que sur les extras. Ouais, mais il n'y a pas des extras.
Ça marchera peut-être sur elle, mais... Ah bon? Bah, du coup, non. Bah si, sur Redia. C'est pas une extra. Comment ça, c'est pas une extra? C'est pas une extra. C'est pas une extra. Mais ça sert à quoi, cette carte? Bon, du coup, bah, les extras, c'est les pions. T'as quoi, Loupi? Quoi, j'ai quoi? Bah, je te demande qu'est-ce que t'as avec les dégâts que je viens de te donner. Bah, j'en sais rien. Bah, t'as combien de résistance? 5. 5 sur 10, ça te fait une blessure. Ok. Tire sur la table des blessures aussi. Oui, bah 2 secondes. Je le dis. Et pas dans la merde. En attendant, le vieux. J'ai 6 en résistance. Alors, donc, bah 7 de dégâts. Mais ça a pas marché. Du coup, secoué. Non. Oui, oui, secoué. Je vais revoir un petit peu la difficulté quand même. Vous ne prendrez que des dégâts d'une des deux princesses selon le côté où vous êtes. Sinon, c'est... ça risque d'être un poil compliqué. Par contre, toi, t'es au milieu, le Silver, donc... Ouais. Disons que si Night Mahmood envoie des sorts qui sont là-bas, c'est pas normal. Si ça, bah, sauf si elle les bloque en mode Dragon Ball, tu sais, il y a le rayon qui arrive et l'autre qui le d'un revers de la main. Bah, c'est pas tant ça, c'est que c'est surtout abstrait, c'est... ça couvre tout, les sorts de tout. Ah, c'est ouais. Vrai que c'est puissant, la magie d'abstraction. Ouais. Du coup, bah, seulement Silver, cette fois-ci, fera le jet. On aime le fumble. Mais il a déjà fait son jet. Oui, mais il doit le refaire puisqu'il est entre les deux. Ah, d'accord. Je vais mourir. Je vais mourir. Octane feeling. Ah, j'ai fait 3, ça va? Bah oui, mais non, ça marche pas. Eh! C'est 4 qu'il faut. Les dégâts. Ok. 8, 9. Ah, j'ai 7 en résistance, ça va. Tu es secoué. Ah, alors attends. C'est quand je prends une blessure ou quand je suis secoué? Non, tu es secoué, c'est tout. Non, mais pour enrager, c'est... Ah, je crois que les deux, ça, les deux fonctionnent. Non, mais fais pas le con. Là, limite le enragé, je t'autorise à ne pas le mettre en jeu, vu que la situation se porte pas trop à ça actuellement. Juste concentré sur la survie. Voilà. Et j'ai su secouer. Wood. Eh bien, mais je cours. Silver, il a pas mis ses blessures. Mais j'ai pas pris de blessures, j'ai pris un secoué. Non mais t'as pris des blessures. Il les a encaissés. Ah ok. Et j'ai plus qu'un seul béni exprès. D'accord. Plus 2 donc si je me focus là-dessus. J'avais pas compris. Oui. C'est pas grave. Tu avanceras d'une case. Non. J'ai bobo. J'ai un bleu aux fesses. Redia. Pitié. Qu'on perde pas la descendante d'Olga, on va se faire tuer sinon. Bah, personne ne saura que c'est de notre faute. Elle avance. Quoique, ils verront la teinte sur son visage. Moi, par contre, j'en ai ras la cocotte. Donc, je vous vais tenter. Vous avez entendu parler de la loupe de la verté? Une provocation. À quoi? Vous avez entendu parler de la loupe de la moitié? Non, elle va pas dire ça, non. Est-ce que vous pourriez arrêter de vous comporter comme des infâmes? Non, je réfléchis, mais en elle gros... Elle a atteint le tour. Elle va gueuler, donc je ne vais pas gueuler pour des raisons... Corde vocale. Voilà, tout ça. Et puis voisin, fatigue, mal au crâne. Mais en gros, elle va hurler même, enfin... Elle va s'éclater les poumons pour dire « Mais c'est pas bientôt fini de détruire les innocents et les peuples qui vous ont mis au pouvoir !» Ça sera plus de l'intimidation, ça. Bande d'enfants gâtés. Dans votre crise de merde identitaire.
Non, c'est pas de l'intimidation parce qu'elle essaie pas de leur faire peur en fait. Non. Elle essaie de les interpeller. Oui, mais c'est pas c'est non pas plus. Pour moi, c'est de la provoque quand t'essayes d'interpeller. Je sais pas. Ça m'est égal. Pour moi, la provocation, c'est fils de pute, regarde mon cul. Bah, c'est un peu ça là. C'est un peu ce qu'elle dit, hein. Bah, c'est si, pas comme ça que je l'ai compris. Parce que si elle essaie de les intimider, là, ça voudrait dire qu'en disant ça, elle a envie de leur faire peur. Oh mon dieu, on va partir. Non, c'est bien qu'elle. Là, c'est de la provoque. Non, c'est de la provoque, je pense. Là, c'est de la provoque. Je trouve. C'est un taunt. C'est à laisser de détourner leur attention de ce fight. C'est ça. Bon, je lance quel dé, Muj? Surtout que là, ça va être compliqué. Parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de bruit d'explosion, beaucoup machin. Si tu veux tenter ça, faudrait que tu sois plus proche d'elle. Bah, plus proche, elle vole, t'es gentil. Bah, oui, mais plus au niveau de, sur la même carte qu'elle, en fait. Oh, bah, je peux rien faire, en fait. Bah, pas actuellement. Bah, tu pouvais pas le dire avant ? Bah, je te le dis là. Super. Est-ce qu'elle pourrait pas se déplacer puis faire son action ? Elle peut. Genre aller vers Luna, avec qui on a fait des cartes, et puis lui hurler dessus. Mourir, oui. Moins 2, toujours le. Non, je mets plus le moins 2. Fais juste le jet d'athlétisme, du coup, pas à plus 2 vu que tu vas faire une action. Oh ouais, je l'ai pas fait à plus 2. Tu peux te déplacer. Et rappelle-moi ta phrase du coup. Oh bah je sais plus, t'es gentil. Je m'en bientôt déjà fini de se battre. Bientôt fini ces enfantillages. Ouais, en gros c'était ça. En détruisant le peuple, de mettre les gens en danger et tout ça. De mettre le peuple qui vous a mis au pouvoir en danger pour des conneries. Elle a dit, je le verrais plus en persuasion aussi. Parce que pour moi, c'est toujours pas de la provoque. Mais c'est quoi de la provoque? Parce que je vois pas difficilement qu'est-ce que ça Mais pour moi, c'est pas de la provoque. Pour moi, la provoque, c'est fils de pute, regarde mon cul. Quoi. C'est, mais, voilà. Mais c'est ça qu'elle leur dit. Il y a pas que ça. Non, mais oh! S'il vous plaît. Pour moi, c'est plus de la persuasion de. C'est pas bientôt fini. Je m'en fous. Persuasion. Très bien. Parce que provoquer, c'est pas juste un. Je relance gratos car je peux, voilà. Tu fais chier, je relance parce que j'ai des bénis, ça me saoule. Non, mais nique-toi au bout d'un moment aussi. Mais le jeu, quoi. Donc pour faire de la merde, je fais un 22, pour les trucs importants, je fais un 3 comme d'habitude. Mais c'est toujours comme ça, hein, sur ça, les doigts. Le font exprès. Ça va être un nouveau tour. Attends, je réfléchis. Mais tu peux pas relancer le deuxième jet? Je sais pas. Bah... Non. Mais sans le béni, c'est avec charismatique, ça marche oui, pas. Oui, non, mais non, c'est qu'une seule fois. Ah, d'accord. J'avais pas compris. C'est pas deux tentatives différentes, c'est la même tentative. Ben, je peux rien faire d'autre. Ok. C'est ton tour. Eh ben, je recommence. À l'insulter en mandarin. Non, je déconne. Je vais lui dire... Princesse Luna ou Night Marmoon ou je sais pas votre nom, ressaisissez-vous. J'en ai perdu mon accent, j'en ai marre. Ah, c'est mieux. Ah, alors, au moins coup. C'est positif. Je dis pas c'est que bon. Ça marchera, mais bon. C'est bon. Alors que je fasse un jet pour... Ouais, quand même. Que je regarde CD. 1 des 12 plus 15 en âme. C'est joué de peu, hein. C'est joué de peu. Elle est pas concentrée sur toi. Super. C'était vraiment pas loin. Non, mais c'est bon, arrête de me foutre le seum encore plus. C'est pas pour foutre le seum, c'est bah, si, si. Tu veux relancer? Bah, non, c'est trop tard, t'as lancé. C'est vrai.
Mais tu peux toujours te déplacer du coup. Bah non, y a mes potes qui se font marave. Si j'ai le droit à une deuxième action, ce sera pour soigner la petite. Hein. Ok. Donc je peux pas la soigner du coup. Bah non, t'as fait ton jet de persuasion, c'était ton action. Faudrait savoir. En fait, t'as une action gratuite pour te déplacer, sinon le reste c'est des actions normales. Ok. Quoi dire ? Tac. Elle arrive à avancer. Silver. Téléphone qui vibre. J'ai peur. Avance. Mais j'essaye. Et 75. Vas-y. C'est presque ça. T'as mis le plus 2 ? Bah, j'ai fait un moins 2, moi. Est-ce que t'as mis le plus 2 ? C'est plus sur un trèfle. Non, mais c'est plus une question de trèfle maintenant. Est-ce que t'as mis le plus 2 parce que tu te concentres que sur la manœuvre ? Bah, non. Bah, voilà, tu peux te déplacer alors. Yeah. Il va falloir que je change le truc d'athlétisme. Comme ça, tu te prendras que les attaques de Nightmare Moon. Daybreaker, pardon. Alors, athlétisme pour tout le monde. Mourons. Mais t'as passé Nightmare Moon ? Oui, parce que vous êtes de son côté, vous ne prenez pas ses dégâts. Ah d'accord. On a des malus là ou... Non, pas moi. Non, seulement ceux qui sont sur des trèfles. Donc du coup... Tu te dis que Gals prend. Oui, t'as pas fait son jet. Oui. Athlétisme. Je vais mourir. Mais non. Mais non, tu vas pas mourir. T'es bien trop résistant pour ça. 8. 8. J'avais oublié de te... T'as oublié de faire ton jet d'âme en fait tout à l'heure pour te dessecouer. Ah oui. Merde. Donc fais-le. Voilà. C'est bon. Bah du coup tu es resecoué parce que tu prends suffisamment de dégâts pour être resecoué. Et du coup je vais devoir lancer un petit jet pour Redia. Je suis secoué par l'attaque de quoi ? Mais c'était pas toi qui devais faire l'âme, Goldan. C'était... Parce qu'il a dit j'avais pas fait mon jet. Mais c'était pas Sylvain. Mais c'était moi. Mais à un moment donné, il a dit Wood, il a pas fait son jeu. Oui, son jet d'athlétisme pour éviter les sorts de Daybreaker. Et faut suivre, hein, parce que sinon on n'a pas fini. J'ai dû balancer un béni pour Redia, sinon elle se prenait de blessures. Très bien. Fizzle. Fizzle, elle va continuer à. Elle va continuer à essayer d'esquiver les. Essayer d'esquiver les coups de. Les sorts. Et elle va essayer de guider en même temps Redia. Redia et Wood. En chat. En chat, oui. Elle va prendre les chemins les plus simples. Vu qu'elle va un peu plus vite. Ok, je vais te demander si tu veux les aider de faire des jets de pistage pour essayer de. Enfin, pas de pistage, de survie. Pour essayer de trouver les meilleurs chemins. Ok. Pour les guider. Redia et Wood, donc du coup tu leur offriras un plus 1 sur leur prochain jet. Et je fais un bon jeu d'athlétisme pour avancer. Ouais. Tu peux avancer d'une. Wood. Oui. Plus 1 sur le jet. Mais du coup j'ai fait mon jet d'âme pour me restab avant. Et si je me concentre que sur courir, donc je suis à 3. Ouais. Ouais.
Avancez, avancez. Bon. Mon frère, elle va se rapprocher. Wood. Voilà, tu n'as plus un, mais... Bien. Je recommence. Je cours, carapaton doux. Mais je regarde en arrière le groupe et je me rends compte qu'ils sont tous derrière. Sachant qu'à partir du moment où t'as trois cases, où t'as trois cartes entre le poursuivant, donc entre Nightmare Moon et toi, tu peux commencer à fuir. Ouais. Tu peux faire un jeu d'athlétisme pour tenter de fuir le combat. Je veux pas jouer. Mais je crois que c'est pas à moins 4 quand t'as 4 cartes. Non, c'est du moins 4, c'est quand tu es vachement proche. Mais là, je demande juste un jet normal. Ok. Je vais le faire quand même, parce que de précipitation. Mais je veux pas le laisser. Ah. Fizzle. J'ai raté. Fizzle, Fizzle, elle va utiliser son dernier tour en chat pour à nouveau essayer d'aider. Pour guider Redia, mais elle va pas se parer encore. Là, tu n'es pas dans les. Au même niveau qu'elle, tu pourras pas la guider. Mais tu sais quoi, je vais faire mon jet de manœuvre, je vais faire mon jet d'athlétisme pour aller vers elle, puis je vais refaire un jet de survie pour la guider. Après, elle a quand même son bonus. Donc ça, ah, elle a encore son bonus. Oui, elle l'a toujours pas utilisé. Fizzle, elle va rester là pour le moment. Elle voit que Wood s'est barré, enfin se barre, et elle attend les deux autres. Elle attend les autres, donc elle va pas bouger la Fizzle. Elle retient ton tour. Oui, elle retient son tour. Silver, allez, on y croit. Déjà, il faut que je fasse un jet d'âme pour me ressaisir. Hey ! Ça marche. Athlétisme à moins 2. Ah ben plus 2. Plus 2, moins 2. 0. Wouh ! Oh, tu peux te déplacer de 2 cases. Et tac. C'est le jeu de le roi. Coula ! Ah, c'est avancé l'autre. Ouais. Bon bah, je vois que Silver est parti, donc je vais tenter de partir. Là, tu peux remarquer que Nightmare Moon est sur une posture un peu défensive. Mmh. Et qu'elle vous a remarqué en soi. Oh. Et qu'elle est plus là pour essayer d'attirer l'attention de Nightmare Moon. De Daybreaker. En soi, à partir de maintenant, vous aurez des bonus pour esquiver. Bah, j'avance pas. T'avances pas. Bah tout. Non, j'ai fait 3. Ah oui. Si tu te concentres à ça, c'est bon. Pardon, j'avais oublié. Donc j'avance ou pas? Oui, d'une case, oui. Ok. Et là, je peux plus faire d'action. Bah non, je me suis concentré trop tard. Ouais. Tant pis. Je vous donne un plus 1 sur ce jet d'athlétisme, du coup, vu que Nightmare Moon tente d'attirer l'attention, mais bon, les explosions sont toujours là, quoi. Le plus 1 qui sauve. Faut faire un jet d'athlétisme. Golden et puis ouais. Skula aussi. Je l'ai fait 7. Jet d'athlétisme à moins 2.
Non, ah, plus 1. Ah, moins 1 cette fois. Bah non, mais j'ai moins 2, moi. Oui, mais ah y a, t'as un plus 1. Il faut écouter. Ah, c'est vrai. Mais écoutez, sinon on va vraiment y passer 5 heures. Alors, regarde, du coup, tu... Yeah. Combien de dégâts? Tu te prends... 9. Ah, j'ai 7. Donc je suis juste secoué. C'est ça. Cool. Rediac a pris une blessure aussi. Ouf. Ah, Rediac, c'est... Ouf. Ouf. Nine, get in. Yes. Le plus inquiet a aidé. Dayo, elle fuit le combat. Je vais la mettre en bas pour dire qu'elle a fui le combat. Ok. Bah, c'est un. Bah, Fizzle, en fait, t'avais retenu ton tour, donc c'est à toi. Oui. Hein. Bah, juste, j'attends que les autres me dépassent. Donc okay. Elle va rester là, elle va se détransformer, du coup elle sera plus un chat. Je tire pas de carte. Hop, mais... Mais avance, connasse ! Tu pourras agir quand tu voudras. Hmm. Coula. Bah moi je leur dis avancez ! Et je vais avancer aussi. Elle veut aussi avancer. Avancez ! Avancez, venez par là. Oh! De Carz. Et tu pourras tenter dessus. Bah, en fait, j'aimerais surtout soigner Redia, je le ferai après, je pense. Mais Redia, elle est plus loin, elle s'est enfuie, elle est hors combat pour le coup. Mmh. Ok. Faudra la fuir. Faudra fuir aussi. Tu peux faire un jeu d'athlétisme pour fuir. Qui, moi encore? Ouais. Bah, ok. Dommage. Ok. Silver. Ok. Donc là, du coup. Hop. Pas de bonus ni de malus. Eh. J'avance d'une case? Ouais. Et n'oublie pas de tu as repris une secousse, le jet d'âme. Le jet d'âme, chaque fois j'oublie. Là c'est parfait. Wood. Ok. C'est pas possible d'aider une personne à s'enfuir. Alors. Tu sais dans une autre case. Si, mais il faut que ce soit sur la même case. Pour quitter le combat, tu peux essayer d'aider ce coup-là, oui. Oui. Mais non, mais avance, le vieux. Mais justement, je t'aide. D'abord. Moi, je sais pas comment. Mais... Il va lui mettre les mains au cul, puis la pousser, tu sais. Oui, imaginons une espèce de falaise et je te pousse pour que tu atteignes bien le bord. Pour que tu roules en bas, tu seras plus en sécurité. A, U, E, I, transpercé par une branche à la Tomb Raider. Genre, imaginons, je fais un jet d'athlétisme que je réussis, je lui donne un bonus pour. Ouais. Ok. Tu lui donneras plus, hein. Maintenant tu fais un jet pour quitter. Et bon, après, techniquement, si tu te concentres à fuir, tu as aussi plus 2. Enfin, je vais mettre ça comme ça. Bah là, trop tard, j'ai fait mon truc pour. Fais un jet d'athlétisme sans. Tu fuis. Moi, je vais en profiter pour aider aussi, pour faire la même chose avec Silver. Tu attendras ton tour. Bah. Ah oui, bah pardon, excuse-moi. Oui. Donc je vais aider Silver à fuir El Combat. El Combato. Nous fuyons. Donc tu te prends comment? Je l'aide à je. J'indique le bon chemin, enfin je le tire. Parce que je fuis okay. Moi aussi. Enfin je vais tenter la fuite aussi du coup. Ok, donc avec ce jet tu lui fileras un plus 1 et tu peux faire ton jet d'athlétisme pour te déplacer. Que je n'arrive pas. Ok, les jets d'athlétisme.
Ok. On a toujours le plus, hein. Plus maintenant. Ah. Moins de... Est-ce que j'ai le plus 1 de Fizzle? Non, attends. Non, c'est Silver qui l'aura. De je sais plus. De ah. Wood, oui. Ah oui, non, mais coup, c'est... ça sera pour la fuite. D'accord. Du coup, j'ai moins 1, du coup. Non, t'as moins 2. T'as moins 2. Parce que plus 1, je te l'ai donné pour la... le plus 1, je te l'ai donné pour la fuite. Ah, d'accord. Merci pour une fois de l'athlétisme. Je vais pas me prendre une secousse encore. Oh, une fois. Et Fizzle, c'est ton 3-5, là? Ouais. Ok, c'est bon. Oh, oh, Jean. Mais t'as un... Putain, t'as un magnifique... Mais plus 3, moins 2. Donc. Plus 2 sur toutes les actions, donc... Est-ce que je peux tirer Fizzle et m'enfuir en même temps, du coup? Je demanderai un jet de force dans ce cas. Le jet de force avec un plus 2? Ouais. Et Fizzle se laissera faire. Plus 2. Est-ce que le fait que je sois plus grand que Fizzle, ça rajoute un truc? Techniquement, oui, c'est vrai maintenant que tu le dis. Tu as un plus 1 également. Yes! Ouais, ok. Tu arriveras à la porter sans problème. Et maintenant, tu sers dorénavant de véhicule à Fizzle. elle agira, en gros, elle agira en même temps que toi. Mip, et mip. Tu peux faire ton jet de manœuvre du coup. Plus 2, moins 2, plus 1. Donc plus 1. Plus 1. Tu te déplaces de 2 cases. Non, c'est pour se barrer. C'est bah oui. Bah non, là il faut encore qu'il s'éloigne. Bah mets-toi sur mon dos. Donc, tu peux aller ici. Tu peux même aller là et avoir un plus 1 sur le jet de manœuvre pour fuir encore, puisque tu vas particulièrement plus loin. Yes. Allez, du coup, un autre jet de, un autre jet de fuite. Ouais. Encore un athlétisme. Ouais. Toujours plus 1, toujours plus 1, on est plus, d'accord. Plus. Oui, plus 2, ouais, plus 1. Vroom vroom, wait, you're not a car. You're not a car, hop là. Poing, poing. Skoula! Oui. On est parti trop vite pour la pauvre Skoula. Bien écoutez, je vais prendre des popcorn et je vais regarder le spectacle. Vous pouvez le regarder de loin. On peut le regarder d'un peu plus loin. Donc là, j'ai plus 3. Oui. Je pense que je l'ai rejoint. Quel enfer. Okay. Quel enfer. Et là, vous êtes tous morts. Ah. Vous vous éloignez suffisamment. Vous voyez encore quelques éclats d'explosion partout derrière vous. Map. Est-ce qu'on a remarqué que la princesse, que Luna a essayé de nous protéger ou pas? Elle a attiré l'attention de Daybreaker à un moment. Hop, je chante la musique. Pourquoi t'as enlevé... Parce que c'était pas le bon pion. Mais... aïe aïe aïe. C'est la casa! Tout part en cacahuète! Eh ben. Je vais essayer de me soigner et ensuite j'essayerai de soigner la dame. Ça va tout le monde? Et mal! Je me soigne. Eh ben, je comprends pourquoi. Je comprends comment. Je comprends maintenant comment Cantarlotte s'est fait. C'est fait bien amocher. Et très rapidement, le soleil commencera à descendre. Oh non. Il va faire tout noir. Je vais relancer. Est-ce que je relance? Ah ! Pas mettre cette musique. Non. Quoi non ? Silver, il a toujours sa lanterne. Je relance ou pas ? C'est comme tu veux.
En soi, ça marche. Je sais, mais ça lui enlève une blessure sur deux. Oui, bah après, tu peux très bien lancer une deuxième fois. C'est ça qui est bien avec les soins magiques. Ah. Bah oui, alors je vais le faire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on aurait dit que la princesse Luna ait détourné l'attention de Daybreaker. Je sais pas, il a essayé d'attirer l'attention, mais... Je pense qu'elles étaient trop haut dans le ciel pour nous entendre. Ah oui, là non, elles sont sûrement pas entendues. Pourquoi essayer d'attirer leur attention? Mais parce qu'elle voyait Silver qui galérait et moi j'ai eu peur, ok? Ça se comprend, hein? Vous avez vu ce bordel? Et si on peut les raisonner pour qu'elles arrêtent de tout massacrer là? On sait jamais. Je sais pas si ce sera possible de les raisonner. En et puis, de toute façon, j'ai senti que la lose de la muerte était avec moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que. C'est que Princesse Célestiale a l'air vachement moins commode. Et. Quelques temps après, tu entendras une voix qui est avec vous. Oh. Ah. Hola. Qui est là? Très amoché. Ok, bah, je vais la soigner. Inutile, votre magie n'a aucun effet sur ce type de blessure. Oh. Il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire pour vous aider? Rien. Mais pourquoi vous vous battez? Comment vous en êtes arrivé là? Vous êtes... Confrontation concernant le pouvoir. Elle veut garder tout le pouvoir pour elle. Mais je comprends pas. Elle me laisse de côté depuis beaucoup trop longtemps maintenant. Et ne veut rien entendre. Oh. Soi-disant me laisser gouverner la nuit, mais il n'y a rien à gouverner la nuit. Si? Non. Il y a tous les gens qui travaillent la nuit. Il y a des gens qui justement, ils travaillent la nuit. Bah. Aucun petit peuple ne viendrait me voir. Non, on fait la fête la nuit. Peu importe. Vous voulez venir faire la fête chez moi? Vous voulez un masque? Vous connaissez la loose? Vous connaissez la loose? Non, c'est pas le moment. Voilà. Mais elle le dit très gentiment et sérieusement. Ce n'est pas une question de fête ou de travail. Mais je comprends pas. Il n'y a aucune responsabilité de surveiller la nuit. Enfin, il n'y a aucune responsabilité à avoir de surveiller la nuit. Les gens qui font du mal la nuit, qui profitent de l'ombre pour faire du mal aux gens. C'est bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut... C'est la garde qui s'en occupe. Mais la garde est à vos ordres, non? Ouais. Nos ordres. Vous n'avez pas votre propre garde? Non. Mais pourtant, à Canterlot, on a vu des gardes avec... Oui, mais elles appartiennent à la royauté, ces gardes, pas à l'une d'entre nous. Bah alors pourquoi il y en a qui ont la lune et il y en a qui ont le soleil? Elle soupire. Pour faire des rondements, des roulements, oui. Ah. Pour faire des roulements. En gros, ça indiquerait juste qu'ils travaillent la nuit. Mmh. Oh. Effectivement. Restez à l'écart. Bah, vous voulez pas un câlin? Non. Vous avez l'air d'en avoir besoin. Non. Mais, qu'est-ce que vous feriez si...
Vous n'auriez pas pu juste, vu que c'est vous la dirigeante, scinder le royaume en deux, une partie chacune? Non, ça, je pense pas que ce soit possible. Surtout si c'est le ciel pas d'accord. Non. Et mais qu'est-ce que vous feriez une fois que vous auriez... Doit bien y avoir une solution autre que s'entretuer, non? Vous voulez vraiment tuer votre sœur? Elle ne répond pas. Donc, vous allez vraiment arriver... Enfin, donc... Pensez vraiment que la seule solution à tout ça, c'est juste que... Ben, c'est juste que l'une de vous deux disparaisse. Elle ne répond pas. Ça va être comme... C'est comme ça que ça va se terminer. Elle ne répond pas, puis se retourne. Prête à s'envoler, mais s'éloigne de vous. Attendez. Mais... Et comment vous avez fait durant toutes ces années pour gouverner? Vous avez bien... Vous êtes bien partagé le travail. Et on m'a fait comprendre que je n'avais rien. Et elle s'en va. Et attends. Oui, elle s'apprête. Non mais est-ce que je peux faire un jet d'intellect pour savoir si je pense aux rêves? Quels rêves? Les rêves en général. Quoi, les rêves? Et c'est pas quoi non qu'elle va dans les rêves. Elle ne va pas dans les rêves. Ça, non, on sait pas. Enfin. On sait pas. Non, mais je veux dire, est-ce que je peux faire un jet d'intellect pour savoir si ce coup-là peut penser au rêve? Parce que c'est un truc lié à la nuit, tout ça, donc on sait pas. Quoi, penser au rêve? Mais je vois pas pourquoi tu penseras à ça. Parce qu'elle dit qu'elle a rien à faire. Voilà. Et peut-être c'est un sort magique ou autre qui s'occupe des rêves des gens, c'est ça que tu veux dire? Oh, bon, laissez tomber. Bah. Ouais, voir si ce coup-là pense au fait que elle pourrait pas lui lancer l'idée qu'elle pourrait s'occuper des rêves des gens. Ouais, c'est ça. Bof. Ok. La princesse. Et avant qu'elle s'en aille. Waouh. Juste au cas où vous soyez pas au courant, votre descendante se remet. Elle va mieux apparemment. Voilà. Je me disais que vous auriez peut-être envie de savoir. Elle te regarde intensément, mais pas forcément méchamment non plus. Yip. Mode ratatinage. Merci, puis s'éloigne avant de s'envoler. Yip. Difficilement. Eh ben, on va finir par en avoir une qui va mourir. Comment s'appelle, elle? Radia. Radia. Ça va, Radia? Elle est très intimidante. Oui. Plus que ta mère! Pardon. Hein? Ouais. moins intimidante que la princesse Célestia. Oui. Et n'importe quoi. Ça va mal finir. Oui. Bon, on devrait se dépêcher d'atteindre la ville. Ouais. Et du coup, Fizzle va aussi sortir sa lanterne. En tout cas, de par la nuit, on peut déduire qu'elle... Elle a gagné, elle a dû prendre l'ascendant lors de cette bataille. Et en voyant ses blessures, vous vous doutez qu'il s'en est fallu de peu. Pour qu'elle meure? Non, pour qu'elle gagne ou qu'elle perde. Ah, j'espère qu'on va pas en perdre une des deux, putain, c'est mal barré. Ah, nous allons perdre les princesses. Elles vont s'entretuer, tu vas voir. Hop, plus de princesse. D'après toi, pourquoi elle a pas répondu quand je lui ai dit que ça allait se terminer hein?
Bah non, mais je sais. C'est bah. Le truc, c'est... Si toutes les deux, elles sont aussi amochées l'une que l'autre comme ça... Du coup, je suppose que pour terminer la session assez rapidement, parce que là... Ouais. Oui, vous allez avancer. Vous n'allez pas encore aller à Canterlot, parce que c'est quand même encore un peu loin. Mais vous passerez la... au moins la nuit. Et je vous mettrai une dernière ligne, un autre paragraphe du journal. Oui, le journal. Le journal. C'est encore pour chialer, merci. Alors, on en était au 1er octobre. Allez, comme vous avez eu un gros combat, une grosse fuite, je vous mets deux paragraphes. Il faudrait déjà qu'il ait envie d'en lire deux. Il en aura lu deux. Mais... Moi, je pensais que t'allais nous donner un avancement. Ah bah non, faut pas déconner. Mais... Voilà. Oh. Ben. C'est la cata. Cata. C'est la catastrophe. La catastrophe. J'espère que la session vous a plu. Il n'est pas logique ton dernier paragraphe. Hein. Ah bon? Bah tu dis qu'il... je sais pas si je peux le dire. Attends, je finis de lire. Oui, qu'est-ce qui est pas logique? Bah, il présente le frère et la sœur alors qu'il en a déjà parlé avant. On a déjà parlé dans une lettre ? Bah oui, avant. Il dit qu'il voyage avec Thunderwheel et... Ça dépend s'il l'a mis dans une lettre. Il mis juste non, dans il son... non, il l'a pas mis dans une lettre. Là, c'est la lettre à la famille, ah, c'est okay, là qu'il est présent. Okay. Pardon. Ok. Bon, cette musique est stressante. Ok, bon. Mets-nous un petit coup autre. De fouinard, là, pour... Voilà, merci. Pour détendre l'atmosphère, merci. Avant de partir, je vais regarder un peu ça, pour remonter, pour déstresser. Ouais, j'avoue. Ça y est, je suis sous un fouinard. Tu nous laisses chez les fouinards un peu? Non. Si. Voilà, je suis au champ les fouinards. Allez, on dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.